commencer un autre truc. Et qui s'appelle Orio El Yungtiso Royalo, saison 8, ok? Bam, ce truc-là. Du coup, on va discuter de ça. Le but du jeu, c'est pour ceux qui, pour les joueurs de FIFA, road to, ça veut dire en route vers. Ça va? Vous êtes pas... Ok. Donc, en route vers la, la Louvar Infinity. Référence, bien évidemment. Vous l'avez compris. Un Shrek. Oui, voilà, exactement. Vers en Infinity et l'au-delà. C'est bien comme nom aussi, Yungtiso Royalo. Non, pas du tout. Bon, du coup, on va voir toutes les petites pépites qui participent à ce Yungtiso Royal. C'est quoi le Yungtiso Royal? Ok, comme d'habitude, ce sont des joueurs du subtop, souvent, ou qui se touchent la nouille un peu à l'heure actuelle, qui répondent à un formulaire, qui est un gros formulaire pour le coup, qui nous permet de les cerner un petit peu. Derrière, on essaie du coup d'avoir 30 joueurs d'un bon niveau qui vont s'affronter dès demain, ok? Demain, ils sont 30. Demain soir, ils sont 25. Jeudi, ils sont 25. Jeudi soir, ils sont 20, etc. etc. jusqu'à dimanche où il ne reste plus que 5 joueurs. Ces 5 joueurs-là seront envoyés à la Louvar Infinity. Si... Hey, y a des punaises chez WAM, là, ça me saoule, là. Punaise diabolique, là, je me suis renseigné là-dessus. Donc, si et seulement si, le sub goal est atteint. Enfin, le donation goal est atteint, les amis. Ok? Non, mais c'est important de le dire. D'accord? À chaque fois qu'une équipe Yungtiso a été envoyée à la Louvar ou à la Gamer Assembly, c'est grâce à vous, au final. Hein, je tiens à le rappeler, d'accord? Et quand je dis vous, bien évidemment, je pense à Nano. Surtout. Non, mais vraiment, c'est votre participation qui fait ça. C'est pas la mienne. Moi, je ne mets pas un euro dans le projet Yungtiso. C'est important. Je mets mon temps, je mets mon énergie, et je mets ma motivation. C'est nous qui allons tout faire pour faire en sorte que ça puisse se passer. Idéalement, cette année, je ne sais pas s'il y aura un bootcamp. Ça me paraît vraiment compliqué vu le temps qu'on a pour organiser tout ça. Voilà. Néanmoins, le but du jeu, c'est de faire de reproduire ce qu'on a fait à la Gamer Assembly, à savoir de les accompagner au moins jusqu'en finale, quoi. Voilà. Hein? C'est à côté de Nantes, qui est en Loire-Atlantique, la Louvar. Non, la Louvar n'est pas à côté de Nantes, qui est en Loire-Atlantique, qui est en Bretagne. Si c'est ça la question. Ouais. Ouais, la Loire-Atlantique. Bretagne, du coup. 44, BZH. Voilà. Donc, du coup... J'ai rien d'autre à dire. Tu vas faire les sélections sans avoir le sub-goal? Mais que veux-tu? Vous êtes des radins, Geekmove. Que veux-tu que je fasse? Je suis obligé à un moment. Les gens sont des radins. Vous êtes tous des fils de pute. Sauf toi, Geekmove. Et encore. Voilà, t'aurais pu donner 48. On a atteint notre subs goal de 2,800. Merci les monstres. Voilà quoi. Heureusement qu'il est là. Merci infiniment Geekmove d'avoir enfin la possibilité à 48 personnes de plus. Leur droit de scolarité au sein du campus de la Salty Academy. Merci pour It's Pixel, pour Fabi LG. Envoyez plein de GG, spammez-moi ce putain de chat. Pour Zankiu, pour Nounours Bonbon, pour I'm Slow, pour Lena 84. C'est beau Lena. Si j'avais une fille, je l'appellerais Lena. Faut être en couple pour avoir un enfant, non? Ah, c'est bien ce que je pensais. Merci pour Whisky, pour Pika, pour Rildos, pour Alex, pour Damien BX, pour Ungraze, pour Guardia, Pimox, Birded Spy, pour Skiff, Nada, Marius, Axel, Neox, Antulo, Antuan, pardon, I'm Yeti, Simbazier,
Kushala Daora, Damon, Rainbow Six, Envy Gassio, Nilik, Diallo, Titouille, Geofeld, Slideman, Donatello, tu connais des gens en ville ou Aladdin, Moha, Siltas, Dixie, Kotominek, Nikonox, Moose, Diz, Loash, Azeri, Orso, Listuka, Doomdims, Rako, Joker Purjus, se font tous payer leur droit de scolarité grâce à la putain de générosité de Geek Move. Merci infiniment, poulet. Envoyez plein de GG, plein de cœur pour Geek Move. Et le Guise ! Le Guise ! Putain, ça fait longtemps, hein, parce que les anciens contributeurs, ça fait longtemps, quand même. Hein, qui donnaient plus rien, ces fils de pute. Merci du coup, le Guise, d'avoir offert la possibilité à 10 personnes de payer leur droit de scolarité pour Kawatom, Flair Gaming 69, Manu 25, Persingers, Lulouf 11, Jarl Torvald, Varé, Brahms Off, King, Marek et Haribo 27. 76 se font tous payer leur droit de scolarité grâce à la grande générosité de Le Guise. Envoyez des GG pour Le Guise, envoyez des GG pour Geek Move. Ça va être ta signature, Geek Move. Ok. Bon, du coup, les amis, on y va ou quoi? Merci Geek Move, t'es un monstre d'avoir rempli le truc. D'ailleurs, je vais le mettre. Oh, je vais le mettre l'année dernière, plus les... Après, je sais pas où sont les joueurs. Bon, je le mets, de toute façon, on se démerdera avec. Ou pas, hein. Mais je vais commencer à mettre un... Je vais mettre le donation goal, si vous voulez bien, les amis. Enfin, si vous voulez pas, j'en ai rien à branler. Je mets le donation goal pour, justement, pas pour moi. Celui-là, il est au-dessus de ma tête, il est pour moi. Là, je le mets, du coup, pour l'équipe. Laissez-moi juste faire ça, et après, on est bon. Comme ça, j'aurai pas à le refaire demain, et demain, on pourra commencer les play day. Tip goal. Objectif final. Yes. Du coup. Merde, comment on appelle ça? Donation. Donation. Non, quoi? C'est quoi? Cagnotte. Cagnotte. Merde. Cagnotte, Louvar. Ok. Ça va coûter 2K5 quoi. Enfin, ça va pas coûter ça, hein, mais... Si on veut faire le bootcamp... ouais, je pense que le bootcamp, ce sera mort cette année, de toute façon. Montant de départ, 0. Et ça, on a ça jusqu'à... bon, on s'en bat les couilles. Je vais le laisser, je vais mettre jusqu'au 29 octobre. 29... Attendez, 10. Putain, les Américains avec leur format de date de merde, là. Qu'est-ce qui m'énerve, les Ricains? Bam, cagnotte Louvard. Ok. N'hésitez pas à balancer un euro. C'est pas pour moi, c'est pour les joueurs, c'est pour les envoyer à la Louvard. Voilà. Du coup, les amis, je vais déjà aller voir WA. Les présélections, j'envoie les PDF ici. Ok. Je vais avoir les PDF... en espérant qu'il n'y ait pas trop de dossiers, d'éléments compromettants. Normalement, ça devrait être bon. Tac, tac, tac. On ne peut pas rabattre ça sur le côté. Gna gna gna, désactiver. Ok. Bon, voilà en gros à quoi ça ressemble. Le but du jeu étant de mettre soit dans plus-plus, soit dans je sais pas trop, soit dans moins-moins. Ok. Bon, moins-moins, ça veut dire... Oh, vous l'avez compris quoi, ça veut dire que le mec est décédé. Du coup, je vais préparer le sondage parce que j'ai besoin de vous quand même. Bah sinon c'est pas drôle. Et on va voter. Je vais enlever le coaching live sur le titre. Excusez-moi, je vais mourir. Du coup,
Ok, mon cerveau se reconnecte. J'ai vraiment passé une nuit de merde encore à cause du... Ouais, comme d'hab, hein. ça fait 2 semaines. Stream up. Yeah, got it. C'est bon. Ok, en avant. Twitch Pro. Yeah. Du coup, on fait quoi de lui? Est-ce que ça va être plus? Est-ce que ça va être... Je sais pas trop. Je ne sais pas trop. Est-ce que ça va être moins? Donc si on fait un sondage, qu'est-ce que ça donne? Hey, ça marche. Incroyable. Vous pouvez faire un test? Ça veut dire appuyer sur 1, 2 ou 3, bande de fils de pute. Oui, il faut que je vous explique tout ou quoi? Ah! C'est bon, ça marche. Est-ce qu'on voit bien ou quoi? Enfin, pas le chat, visiblement. I don't know. Ok, bon, je suis débile, j'y arrive pas. Mon cerveau est en mode... on peut pas mettre ça en mode noir, hein. Mode sombre. Là, le G-Drive, là. Le G-Drive. Il peut pas être en mode sombre. Six, t'es le meilleur. Si j'étais le meilleur, tu serais sub. Killorx. Oui, dans les settings. Wow. Lesquels settings? Waouh, qu'est-ce qu'a donné de la thune? Merci Stars Gamer pour les 10€ qui partent pour l'équipe. Qui est pas du tout formée pour le coup. Donc du coup, bah, je les mets dans ma poche et je m'achèterai de la drogue avec. Non, je déconne. Merci Poulette, hein, on se renvoyait plein de GG, plein de cœur pour Stars Gamer. Vraiment, merci pour eux. Ok, dans les settings où? Paramètres. Densité. Compact. Moyen, on va mettre. Ok. Ah, j'aime bien compact, moi. Moi, j'aime bien les trucs compacts. Acheter du stockage, notification. Dans général, il n'y a rien, les gars. Apparence, sûrement. Apparence, sûrement. Il n'y a pas apparence. Il n'y a pas apparence. Peut-on changer la couleur dans le G-Drive? Les gars, c'est hyper important. Vous m'aidez pas. Ah... Can we... Oh, fuck. Can we change color G-Drive? Oui, affichage. Oh, attends, j'ai un truc qui me gratte. Google Drive Background Changer. Visiblement, il y a un mec, il y a une extension pour faire ça. Hein, qui a été fait par Zachary Boyd. On peut changer les folders. Default look of the Google Drive definitely has gone to the upper list of EC. My file. Is this quick that by going up to the gear icon, using your here, you can turn off those suggest options on your browser. You can enable those. Mais dis-que ta mère, vas-y, je vais télécharger l'application. J'arrive. Ça me fait mal aux yeux, les amis. G-Drive Background Color Changer. To change background color in Google Doc, select... What? File page. Setup from the menu. Click the page color icon and choose a color. Pourquoi c'est pas dans juste dans les settings? Vas-y, ça m'a saoulé. Je vais ajouter ça à Chrome. Allez, ajouter une extension. Bam. Voilà.
ça arrive. Bougez pas. J'arrive. Vraiment. Promis, j'essaie de faire un truc propre, les amis. Ne m'en voulez pas. Elle est où l'extension? Elle est partie. Elle est là. Ok. Yeah. Amazing. Choose. Choose. Select color for Google Drive document. Gars, ça marche pas. J'ai mis une extension. Elle est là. Noire. Choose. Choose. Quoi, ça marche pas. C'est nul. C'est long, Six. T'as F5. Bah ouais, ça a rien à voir. Bon, vas-y, vas-y, laisse tomber. Vas-y, ça m'a saoulé. MP Discord de Oni. Vas-y, en revanche, pas de la merde. Hein. Mais ça, c'est ton Google Mail, mec. C'est pas ton G Drive, hein. Moi aussi, je sais mettre mon Gmail en machin. Mais là, si je vais là-dedans, dans paramètres, il n'y a rien, frérot. Tu m'as pris pour un débile ou quoi? J'ai le même menu. Hein? Vas-y, bah niquez-vous. Vas-y, vas-y. Franchement, vous m'avez saoulé. Vous êtes nul. Vous êtes nul à chier. Vous pouvez pas m'aider, vous voulez pas m'aider, ok. Allez, c'est parti. On va le faire, tranquille. Du coup, laissez-moi, parce que vous me paraissez bien fade, là. Laissez-moi mettre un filtre. Et j'ai réglé le problème. Parce que je suis un monstre. Nya, nya, nya. Color correction. Yeah. Fuck. Vas-y, ça m'a saoulé, c'est bon. Allez, vas-y, va te faire foutre. Ah, c'est bon, ça m'a cassé les couilles. En fait, non, ça m'a pas cassé. Il faut que j'y arrive. Et si je fais juste un U-shift dégueulasse là-dessus? Ah non, ça a pas changé. En plus, ça a juste changé les couleurs. Bah, le blanc change pas, du coup. C'est nul! Ah ouais, là, c'est bien noir. Ouais, je voulais juste mettre le truc en noir. Vas-y, laissez tomber. Ça m'a saoulé. Laissez tomber. C'est bon, c'est bon. On s'en fout. On verra ça plus tard. Filtre. Voilà. Tac, color correction. Allez, nique ta mère. Voilà, c'est bon. Allez, ok. Let's go. Du coup, en avant. Il y a plein de gens à faire. Lyon Six, la forme. Désolé, je regardais pas le chat. J'ai le même menu que toi. Ok. Qui s'en fout? Moi. Voilà. Du coup, nom du candidat, Corentin. Allez, ça commence mal. Fiche de renseignement. Étudiant, parfois. Oh là là. Temps de jeu, 1500. Rank, Emerald. Bah, j'ai essayé, Jagger, ça marche pas l'extension. Bon, pour le moment, les Emeralds, on va les mettre de côté. Hein. Non, mais c'est vrai. Pour le moment, Emerald, je vais mettre de côté. Et à la limite, j'irai en chercher d'autres. Plus tard. Il faut 30 joueurs, je vous rappelle. 30. Il faut 30 joueurs. Avec une marge de 10%. Il en faut 33, quoi. Ok ? Corentin sèche les cours de temps en temps. Non, mais c'était une extension du bled, ça. Ouais, je sais pas, mon gars. Bon, je vais le mettre dans je sais pas trop pour le moment. Parce que Emerald. Diamond.
Putain, il aurait fallu aller chercher directement les champions déjà. Vas-y, on peut regarder quand même. Vas-y, vous me direz ce que vous en pensez. Vas-y, pourquoi ça fait ça là? One more salty fan. Ok. Maxange. Maxime, 23 ans, pas actuellement, 12 mois de sub. Nanana. Maxange, il vient de le faire. 3500 heures. Maxange, t'as 3500 heures. Merci Médoc pour les 38 mois, t'es un monstre. Et t'es que diamant. Depuis quand tu joues à Rainbow Six? Depuis 2020. Quand connais-tu toutes les cartes présentes sur Rainbow Six? Quelle est ta grande qualité en jeu? Beaucoup de game sense. C'est une très forte capacité à analyser différentes situations. Ah bah moi, je t'analyse une situation, c'est que t'es diamant en fait. Avantageuse comme désavantageuse. Et prendre les décisions adéquates pour faire basculer le résultat. Vas-y, chat GPT là. Et je cherche toujours à faire mieux à chaque fois. Diamant. Donc, visiblement, non. Quel est ton plus grand défaut en jeu? Beaucoup d'affirmations et de game lead. What? Ce qui parfois m'empêche souvent de prendre en considération les idées de mes coéquipiers. Ah ouais. Max, t'es un fils de pute. Non, ça c'est... Si tu regardes un fils de pute dans la définition dans le dictionnaire, il y aura marqué exactement personne qui a beaucoup d'affirmations et de game lead et qui peut parfois s'empêcher souvent de prendre en considération les idées de ses coéquipiers. Je suis champ. Il y a marqué diamant, fils d'up. On va cliquer sur ton Rainbow Six Tracker. Souris. Logitech Corsair HyperX 240, bam bam, Logitech Sena. Qu'attends-tu de cette aventure? Vivre une toute nouvelle expérience, développer des nouvelles capacités et profiter de cette opportunité. As-tu des expériences compétitives? Beaucoup de félicites à l'époque. À l'époque. Merci Striker, c'est parti. Ouais, champion 3002, mec. Champion 3002, tu te rends compte qu'il y a des youtubeurs français qui sont champion 3002? Et puis qu'est-ce qui s'est passé là avant? Qu'est-ce que c'est que ça? Un 24 de KD. Ah, je sais pas, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous pouvez voter. Je reprends juste 6-4. Ah mais Max, que veux-tu? Moi, le but du jeu, c'est pas juste de faire acte de présence à la Louvard. Non mais sérieusement, les gars, respectez-moi un peu. La dernière Gamer Assembly, on a pété des équipes. Il y avait des joueurs pros à la Gamer Assembly qui sont partis en pleurant le samedi. Je plaisante même pas. Hein. Moi, j'ai envie que vous cassiez des culs, quoi. Le but du jeu, c'est pas « Ouais, j'aimerais bien avoir une expérience compétitive. » J'en ai rien à branler de votre expérience compétitive, les mecs. Moi, je veux que vous enculiez des darons. Je veux que derrière, qu'il y ait des gens, ils arrêtent Rainbow Six. Je veux que des gens, ils désinstallent le jeu. Voilà, pour le moment, c'est à moins. Désolé, Max. Mais le peuple a voté. Tu prends ton totem et tu t'en vas. Le peuple est dur. C'est à moins. Ça veut pas dire qu'on va pas revenir dessus, on sait jamais. Mais bon, on verra s'il y a d'autres trucs. Nash, Maxence. Vous pouvez pas arrêter avec ce prénom qui est horrible en plus. Non, merci d'avoir pris le temps de lire mon dossier. D'accord. Entre 7500... Ah, 5000 Xbox et 2457... Emerald. Ok, on va voir ce que c'est, à quoi ça ressemble. Je sais pas. Moi, ça me paraît short, les gars. Attendez, vous avez le droit qu'à un seul vote. Hein. Donc attendez avant de voter. Hein. Depuis quand tu joues à Rainbow Six? Opération Velvet, Shell. Connais-tu toutes les cartes présentes sur Rainbow Six Siege? Oui. Solide en défense, que ce soit roaming, map, confort ou BP. Ok, quel est ton plus grand défaut en jeu? La régularité entre les rounds. Je peux être trop fort sur un round et trop con sur un autre. Cela dépend de mon mental. Et c'est moins fréquent quand je suis dans de bonnes prédispositions pour tryhard. Hein? Ah, t'as un clavier au 4. Ouais, mais ça, c'est éliminatoire, les gars. Ah, venez jamais avec moi avec un clavier au 4, les gars. Non, mais déjà, c'est l'aveu d'abandon.
Bon, le reste est bien. Le reste est bien, frérot. 5 ELC Major. Top 4, top 5, 8. Ah, attendez, il y a des expériences compétitives. Parce que le rank, on s'en fout au final. Une Louvar top 4 amateur. Une Vivid League. Les gars, donnez-moi vos scores, vos tops, quoi. Si vous avez fait la Vivid League, vous avez fini où, en fait? Ça me sert à rien de me dire que vous l'avez faite, tu vois. Bah, c'est un moins. Pour le moment, c'est du moins, les gars. C'est salé, hein. C'est salé, vous êtes salé. C'est pas moi, hein. Moi, j'allais dire plus, hein. Mais vous êtes des sacrés fils de pute, quand même. Du coup... Ah, putain, la vache, lui, il est pas mal, lui. Lui, j'aime bien, lui. Ah, ouais. Oh, ça, c'est pas mal, ça. On va le garder, lui. Fiche de .pdf, .pdf. Donc, ça, c'est des trucs automatiques qui n'ont pas été créés, visiblement. .pdf, 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 .pdf. Ah, .pdf. Ah, d'accord. Ah, mais dis... .pdf, .pdf. Ah, il n'y a plus personne, en fait. Ils sont tous morts. Ah, si, c'est bon. .pdf, .pdf, .pdf. D'accord, ils sont... Parce qu'ils sont pas alphabétiques, du coup. Faudra les enlever. Il y a des surveillants ici. Veps, Valentin, étudiant, non, 3 petits points. Bah, déjà. 600 heures et 25 minutes en ranked. Champion, 3000 à 2000. Ok. Parce que j'ai fait, du coup, dans le formulaire, il y a plusieurs systèmes de ranking, ok. Il y a plusieurs niveaux de champion. Il y a champion, je sais plus, 3000 à 2000, genre 1999 à 1000... 1000 à 500, top 500 et top 100. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, voilà. Ok. Bon. 7 ans que tu joues à Rainbow Six. Ok, ma précision, ma prise de décision et mon calme. Pic agressif. Ok. N'oubliez pas, il nous faut 30 personnes. Il ne faut pas 5 personnes. Il faut 30 personnes. Ok. Il ne faut pas 5 personnes, il en faut 30. Depuis quand tu joues à Rainbow Six? 7 ans. Ma prise de décision et mon calme. Pic agressif. Donc il y a peut-être des personnes qu'on va aller chercher dans les moins. Et qui auront une chance. Bon, tout le reste, ça va. Ça m'a l'air pas trop mal. Rainbow Six Tracker. Champion. Déjà. Ah, il a menti. Ah, le fils de pute. 1-18 de KD. Diamant 1. Ça joue Yana et Mélusie. Allez, attends les gars... Veps. Tu peux recharger la page. Merci Yoni, t'es un monstre. Je vais les enlever, je leur laisse une autre sécu. Menteur. Vous en pensez quoi de ce niveau de jeu là? Bon, ça n'empêche que c'est mieux que tout à l'heure. Peut-être qu'on va pas le... Le but du jeu c'est d'en avoir 30 les mecs. Hein. 30. Je vous rappelle. C'est pas dégueulasse. Son truc est pas dégueulasse. C'est pas un plus assuré. Mais c'est pas dégueulasse. C'est où qu'on doit postuler, hein? Déjà, tu dois prendre un sub, le vrai Stitch. Merde. Et après, tu fais pour l'installation YR. C'est dans le titre, les mecs. Vous faites aucun effort. Aucun effort. Dépêchez-vous, les retardataires, c'est terminé ce soir, les inscriptions. Je vous le dis tout de suite. Ok. Après, on refera des ajustements. Hein. C'est une première période. C'est... Là, ça veut pas dire... Si je le mets dans le 1, ça veut pas dire qu'il va partir en 1. Hein. Ouais, c'est... Il y a des trucs, on retarde, on ajuste, on voit, ok. On verra aussi. Hein. D'accord. À la tête du client, quoi, aussi. Alors, bien évidemment, on fait des contrôles de faciès. Ah, c'est normal. On va partir en Belgique. Ah, je déconne. Moi, j'ai mis champ, mais je suis pas encore champ cette saison. Non, mais que les gars, toi, tu pues la merde, de toute façon. Donc, que veux-tu qu'on te dise? Même ton père, il est meilleur. Ok. Donc, du coup, Veps, on en fait quoi? Bon, vous avez dit, on sait pas trop. Bon, du coup, on le met là. Tac. Eh, hey, les surveillants qui sont là, dans le chat, le Yoni, à l'intérieur de je sais pas trop et à l'intérieur, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire un truc du genre les mettre par rank? Ok?
genre diamant à l'intérieur là. Dès que tu me fais, si je tape dedans le dossier, il y a un dossier avec marqué le rank. Et tu ventiles dedans. Merci poulet. Ok. Archery. Maxime, 17 ans. J'étais pendant plus de 6 mois, je crois, mais pas actuellement. Ah, bravo. Inférieur à champion 100. 4 à 5 ans. Mon placement. Manque d'expérience en compétition T2. J-Pro, Ducky, Hyper, Axtien, gna gna. Caméra Amazon, bonne qualité. Pas mal, franchement. Ouais, franchement. Ok, pas tant que ça, mais quelques scrims avec joueur T3. Il est là, Archery ou quoi? D'aller en LAN à l'ouvert, puis d'aller explorer autre chose. T'aurais mis exploser, je préférais. D'autres choses dans la compétition, si possible, si d'autres projets. S'offre à moi. Les fameux joueurs T3. Yo, grand 6-4. Comment ça va, Max 29? Archery, le problème, c'est que je crois que... le mec... le patron de la Louvard, il a pas envie de voir ta tronche, tu vois. Et cette année, les gars, j'ai envie de dormir en fait à l'hôtel. Donc je vais pas prendre de risques, je vous le dis tout de suite. Il y a eu des années où j'ai pris des risques. Cette année, je prends zéro risque. Bah les couilles, j'ai envie d'y aller tranquille pour une fois à la Louvard. Ok, voilà. Donc franchement, le problème, Archery, t'es un bon joueur. Mais ton passé fait que faut que ça passe auprès du patron de la Louvard. Ouais. Moi, je suis toujours pour la seconde chance. D'accord? Pas la troisième et la quatrième, la seconde seulement. Le principe de la seconde, c'est qu'il n'y a pas de troisième. Néanmoins, il faut que ce soit aussi valable pour tout le monde. Et je ne sais pas si c'est valable pour tout le monde. Donc, je ne sais pas trop. Mais là, c'est pas par rapport au niveau de jeu. Voilà quoi. Aro! Aro, il est dans le chat. Il s'appelle Alexandre. 23 ans, déjà. Aro. Entre 5000 et 7000 heures. Les gars, vous donnez pas des fourches, sérieusement. Ah, c'est chaud. Merci, Yoni. Champion 3000 à 2000. Ouais, le champion paquet bonus, quoi. Ok, le champion de Wii. Mais bon, ça passe. Depuis quand tu joues à Rainbow Six? Je joue depuis décembre 2015. Ok, première heure, premier jour. Première année sur PS4, sur PS5, 2017. Oui, je les connais toutes. La polyvalence. Quelle est ta plus grande qualité? La polyvalence. Ce qu'on raccourcit maintenant par le terme flex. Excuse-nous. Merci, Jamie. Je peux très bien jouer avec un sledge comme un ace. Ah, et tu peux jouer qu'en attaque, du coup. J'ai aussi une bonne communication. Ah, c'est cool. Quel est ton plus grand défaut? Manque de prise de décision solo. Ah, c'est chiant, ça. Logitech. Ah, j'aime bien les Unix Royale. Je vais vous tailler, ça va être drôle. Logitech G Pro Super Light. Dagnania. Combien de FPS? Entre 150 et 200. Entre 150 et 200. T'as un 2K1, fils de pute, qui coûte 16 000 euros. Mais t'as entre 150 et 200 FPS. Je les bride. Ah. Et pourquoi tu fais ça? Pourquoi ferais-tu ça? Pour éviter les drops. Bah ouais, mais bon. Et 150-200, c'est beaucoup quand même. Va falloir faire quelque chose là. Va falloir travailler cet été. Caméra Amazon, je connais pas la marque. Ah ouais, vous êtes tous sponsors en fait. Je souhaite reprendre goût à la compétition sur Rainbow Six et je pense que le Unity Royale est le seul moyen pour moi à l'heure actuelle de progresser sur le jeu compétitivement parlant à un bon niveau. C'est une chance pour tout joueur d'enfin montrer son niveau et potentiellement intégrer une équipe encadrée et soutenue. Non, tu seras encadré zéro frérot. On va te prendre ton hôtel et le but du jeu c'est que tu casses des culs là-bas. Vous êtes ouf ou quoi? Deux LAN, GA 2019, GA 2023. T'étais à la GA 2023? Aïe, aïe, aïe. Différents tournois amateurs, tu l'as fait avec qui? Différents tournois amateurs de 2017 à 2019, GoFor et tournoi online. Avec le Boomer, Enemy et Revan. Ah ouais, t'avais pas envie de gagner. Tu voulais faire des tutos. Ah, le fils de pute! Merci Super Six pour les 47 points de frais de scolarité. aïe aïe aïe. Putain, ça aurait été marrant qu'il participe à Enemy. J'aurais bien aimé qu'il...
Je te jure. Ah, t'étais avec Revan et Ennemi. Putain, c'était cool. Bon, alors, du coup. Bon, t'as de l'expérience, machin. T'as l'air d'avoir la tête sur les épaules et tout. En revanche, j'aime pas quand tu me dis... le seul moyen pour moi... Je souhaite reprendre goût à la compétition. Tu vois ce que je veux dire ou quoi? Moi, j'ai envie de gens qui cassent des culs, quoi. Je suis pas là pour que tu reprennes du goût à la compétition, quoi. Moi, je suis là pour des gens qui ont du goût à la compétition. Après, si t'as eu le Covid et t'as perdu le goût, c'est pas mon problème, tu vois. Moi, je veux des gens qui aillent là, qui disent simplement... Bah, c'est simple. J'ai envie qu'on aille à la Louvard et j'ai envie qu'on joue tellement bien que tout le monde nous déteste. Ah, ça, j'aime bien ça. Ça, j'aime cette mentalité de... Bam, tu vois. Voilà, quoi. Garekia, traque-le, c'est l'école de la vie. C'est pas toi sur TikTok, Seiya 457. Non mais les gars, Senseiya, il y a 12 000 Senseiya sur la planète. Bon rêve. Bon bref. Bon, c'est pas mal quand même. Même si bon, champion 30 000 quoi. Top opérateur, Zofia. Ah ouais, ça fait longtemps que t'as pas joué ou quoi? Vous en pensez quoi? M'a l'air sympa quand même. Mais... Allez-y, vous avez le vote en haut à gauche. Ah, t'es sur les îles Marshall. Ça va faire beaucoup du coup jusqu'à la Belgique. On devrait demander les villes quand même, ça nous aiderait. Si les mecs sont belges, ça nous donne un avantage financier non négligeable. Bon, ça a l'air pas mal, ça a l'air pas mal. Ouais, ça a l'air pas mal. Bon, vous êtes OK pour Aro. Expérience compétitive, 23 ans, voilà. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Le perfect. Non. Parce qu'il a dit, j'ai bossé. Je suis allé avec Ennemi et Revan. Ennemi et Revan, moi je les connais bien, Ennemi et Revan. C'est des bons joueurs. Tu vois? Vous connaissez Stéphane Guivarch? Ah, si vous connaissez, pour les plus vieux d'entre vous. Voilà. Ennemi l'ancien. Ouais, grave, on a commencé sur Rainbow Six ensemble. Il me faisait flipper avec son super 90 pulse sur l'escable banque. Escavère, pardon. Quel fils de pute. Meilleur pulse shotgun de l'histoire du jeu. Quoi. Du coup, Asa. T'as 15 000 heures de jeu, Ryan. 15 000 heures de jeu. Quick mass. Du coup, 15 000 heures. 15 000 heures. Divisé par 60. Fuck. Non, merde. 15 000. Divisé par 24, c'est mieux. Égal 625 jours. 625. Le mec n'arrive plus à faire des maths. 625 divisé par 365 égal 1,71 ans. 2 ans de jeu. Moi, j'ai 15 000 heures de jeu. Mais toi, t'as 20 ans. Ryan, t'as commencé à quel âge? Merci, Arcanis, pour les 7 mois de scolarité. Mais non, mais moi, il y a un mytho, là, c'est pas possible. Asa, il est là ou pas, Asa? Vous connaissez Asa ou pas? Attends, Z10, c'est... premier degré. Z10, c'est... c'est vrai Z10 ou c'est faux Z10? Il voulait mettre 1500.
pas de débat, il va directement chez les gens forts. Mais Aza, c'est Z10, Z10, vrai Z10 ou copie Z10? Ah, ah. Oui, il est vrai. Ok. Ok. J'ai frost super light, très calme. Oh, j'aime pas les gens calmes. Est-ce que c'est un... Merde, comment il s'appelait? Non, mais la dernière Yungtis, ils étaient cool, mais ils étaient tous calmes, quoi. J'étais obligé de leur hurler dessus en leur disant « Let's go, on va enculer des darons et tout !» Tu vois? À la Gamer Assembly, j'étais le seul à leur crier dessus. « T'as les gars, let's go, là! Sheko, j'en ai rien à branler, quoi !» Et c'était « Oui, je suis énervé. » Vous voyez le Black, le commandant dans Brooklyn Nine-Nine? Bah, dernière Yungtis, c'était ça, quoi. Les cinq, ils étaient comme ça. Genre, c'est les gars, vous avez pas d'ego ou quoi? Non. Donc, j'ai peur. Moi, j'ai envie de mecs qui veulent enculer des darons, là. C'est, tu vois? Je pense qu'il commence à 15-16. Il était avec marteau chez Z10. Ok. Vas-y, ça, c'est un... Eh, c'est un beau... Eh, c'est un beau profil, ça. Il est sympa, Aza, ou c'est un peu un fils de pute? Non, vraie question. Vraie question. iPhone 7, MDR. Super sympa. Non, mais RQ... Comment tu peux me dire super sympa, mec? T'es l'incarnation de la toxicité sur Rainbow Six. Je peux pas te faire confiance. Bah, pour toi, tout le monde est gentil, du coup. Tu demandes ça à RQ. Je suis bien placé pour le dire. Bah non, franchement. Quand on voit certaines de tes interventions dans les chats du jeu... Putain, la vache. Pour toi, même Adolphe devait être un mec sympa, quoi. Quand on voit certaines des interventions, on doit se dire « Oh, lui, il était cool. Petite moustache, là ?» Franchement, je ne me prononcerai pas. Ouais, ok. Putain, je te jure. Bref, ok. Bon, bah, c'est bon, Aza, attendez, on va pas tergiverser. Le mec, ça a l'air d'être un monstre, quoi. Vas-y, c'est bon, ça. Là, c'est difficile de faire mieux, les gars. Et là, on a un top player, quoi. Là, c'est gros joueur de sub-top, quoi. Diamant, champ, vas-y, quoi. Là, c'est validé d'office, quasiment. Ok. Derrière, on a Kléga. Oh là là, Kléga. Oh, Clément. Kléga, c'est le fils de Le Guise. Héros de l'EHPAD, les mecs. Héros de l'EHPAD. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ma connaissance des maps, ta grande qualité, plus grand défaut, va trop souvent roamer. J'ai Pro 300 DPI, 2 Key One, HyperX Cloud, 240 Hz, 300 FPS, C920 caméra. De pouvoir intégrer une équipe et de montrer mon niveau compétitif. Une LAN, ELC. Non mais 14 ans, on va en Belgique, hein. C'est le ghetto là-bas. C'est le ghetto. 14 ans, j'ai peur. C'est 16 ans minimum, non? Pour la Louvard? Je sais pas. Je crois qu'il n'y a pas de minimum. Pour la Louvard, ils avaient fait sauter les minimums. En vrai. Je suis quasiment sûr. C'est pas 16 avec autorisation parentale, non? Non, ça, c'est à la Gamer Assembly, ça, les gars. Non? Non, Gamer Assembly, c'est forcément 18. C'est 16 minimum pour la Louvard et 18 pour la GA. Allez, vous avez vu ça où? Len était venu, il avait 13 ans à la première Louvard, les gars. Donc moi, je veux bien. Hein. Je veux bien, les gars. «
Regardons le règlement. Ce qui est beau. Ah non, c'est bon. Louvard, info pratique, contact, partenaire, number one, Rainbow Six. Tournoi, finale, nanania, 32 sur 32, ambassadeur, c'est WAM. Il n'y a pas de règlement. Ah ben, il n'y a pas de règlement. Il n'y a pas de règlement ? On a fait la Louvard, il avait 13 ans. Mais il est déjà venu à la Louvard en plus. Ah merde, télécharger le règlement. Rulebook, nanana, rules, nanana, unlike, nanana, oh, bah, contrôle F, age. Non, age. Age, 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 age. Ok, quelle est une autre façon de dire age ? En anglais. Old, c'est bon. Birth. Non. La date de naissance, effectivement. Years old, mais c'est bon, j'ai déjà tapé old. Merci Excelsior pour les 37 points, t'es un monstre. Years, c'est bon, c'est déjà tapé. Y'a rien. Y'a rien, les amis. Y'a pas de... Y'a aucune réglementation sur machin. Ça, c'est le rulebook du jeu. Moss, cheating, on est d'accord que c'est pas dedans. Suspicion de cheating, remote, tournament format. Le format du tournoi, tiebreak map pool, map selection, best of one, best of three, rehost, tactical timeout, rules and violation. Tout ça, on s'en bat les couilles. Cosmétique, in-game name, avatar, spawn killing, game settings, game settings, game settings, protest. On remonte tout en haut quand même. Des documents, rule change, code of conduct, the press, Unsportman line behavior, the cash alpha, misconduct, et le MOS. Donc y'a rien. Mineur, ça s'écrit comment mineur? Mineur. Ah merde, j'ai écrit Norman. C'est pas drôle, c'est pas drôle, oh c'est bon. Mineur. Non mais sérieux, ça s'écrit comment? Le dérapage. Minor. Mais non, c'est minor. Ouais, bah voilà. Ou underage. Under the following, understanding, under the... Vas-y, laisse tomber, y a pas de limite d'âge à la Louvard, les gars. Vraiment. Y a pas de limite d'âge. L'aide l'avait fait en étant mineur. Mais oui, y a pas de limite d'âge à la Louvard. Y a pas de 16 ans minimum. En revanche, si vous voulez savoir réellement, en vrai, normalement, la remise du cash price est assez réglementée. D'accord ? Dans l'e-sport... En vrai, la remise du cash prize, c'est ça qui peut poser un problème. Quand il y a 18 ans, je suis en plein dedans. Quand il y a 18 ans, du coup, on peut remettre un cash prize à une personne. 16 ans, c'est soit de la dotation, soit du cash sur un compte qui a été validé avant, un compte de truc qui va attendre 2 ans, là, voilà. Et mineur, pareil. Et encore, c'est vachement réglementé, quoi. Genre vraiment réglementé. Et en règle générale, il vaut mieux faire des tournois qui respectent les considérations PEGI. Ah, c'est ce que eSport France machin recommande, quoi. Sachant que le jeu est 18 ans, vaut mieux partir sur le 18, quoi. Voilà. Ok. Tu le mets, on sait jamais. Je sais pas, vous en pensez quoi? Après, ça peut être marrant dans les 30, hein. De voir ce qu'il a dans le ventre, hein. Mais moi, je pense que... les gars, tu me connais, je suis un peu un papa dans cette communauté, je suis la bienveillance incarnée, ok? Et il est important pour moi, dans une logique de construction d'une personne qui est encore jeune, 14 ans, de ne pas lui péter ses rêves. Mais je pense que tu pues la merde. Vraiment, je pense que t'es nul à chier, quoi. Et donc du coup, bah c'est chaud. Maintenant, si tu me fais fermer ma gueule, Kléga, moi j'adorerais ça. Mais va-t-il... Merci pour ma soirée, Six. Explique-lui le mindset à avoir. Si tu me fais fermer ma gueule et que derrière tu me prouves que tu peux, en avant. Derrière, c'est une belle aventure pour toi. Allez, ça va dans les plus. Va falloir prouver en revanche.
Parce que j'en ai ras le cul à chaque fois. Ok, Damien BX, c'est qui ? Damien BX, il s'appelle Damian. Du nom du très bon très bon chanteur. Exceptionnel chanteur. Frère de Bob. Personne n'a la ref. Vous écoutez de la merde, ok ? Vous écoutez de la merde, ok ? Marley, exactement. Donc, Damian Marley, 928, champion supérieur à 3000. J'ai commencé le PC à la saison Crystal Guard. Oui, mental. Quelle est ta plus grande qualité en jeu ? Le mental, tant que le round n'est pas fini, je peux le wind. Ok. Pas de rage. Comme, pas mal. Shot call. Ok. Le plus grand défaut. J'aime bien prendre des risques, beaucoup de duels 50-50 pour débloquer des situations. Flex. Mais je joue HB pour essayer d'y remédier. Ok. Ok. Ok, 928 c'est light. Mais 928 champion c'est pas si mal. 928 seulement, putain, la vache, t'as commencé quand ? Avant-hier. What the fuck is going on ? Et d'où ça plante ? Ah, c'est Rainbow Six. Ah, c'est Rainbow Six Tracker, merde. Attendez. Je suis trop un hacker. J'ai changé l'URL. Je suis trop un hacker en fait. Ah, ça c'est incroyable. Vous avez vu ça ? J'ai hacké le site. La rêve de 2001. Nique ta mère, Damien Marley, c'est très bien. 0,97 de KD. Et là, j'avoue, ça va plutôt être Road to Zion que Road to Louvar. Qui l'a ? Elle est exceptionnelle ! Personne ne l'a ! Vous avez que des rêves de merde ! Quelqu'un l'a ou pas ? Damien Marley, il a chanté une chanson qui s'appelle Road to Zion. Sachant qu'on va faire la Road to Louvar. Ok, vous l'avez ? Oh, je suis trop fier de WAM. Putain, qu'est-ce que je suis con quand je dors pas. Du coup, Damian, ça me paraît light, ok ? On va voir ce qu'en pense le chat expert sur Rainbow Six, bien évidemment. Il joue HB aussi. Ah oui, Sledge. Ah bah non. Je sais pas, peut-être Heartbreacher, mais faut arrêter HB. On va... qui joue HB chez... qui joue HB chez... comment dire... chez BDS. On va regarder son truc ou pas ? Tu n'avais pas dit que le 4D, c'était le truc à pas se fixer ? Non, mais il n'y a pas que ça, les gars. Il n'y a pas que ça. Je regarde pas que ça. Ne me prenez pas pour un abruti. J'ai pas vu regarder que le 4D. Ok, faites-moi confiance. Il y a un instinct, il y a un truc. Ça sent, tu vois. Il était chez Grimdall et OBK. Et on est bien d'accord que Grimdall et OBK, on les a pétés à la Gamer Assembly. Juste pour savoir. Damien. Est-ce que vous avez fait la Gamer Assembly, Damien ? Non. Eh ben voilà. Eh ben ça en dit long sur votre volonté de devenir des bons joueurs. Vous avez pas fait la Gamer Assembly. Ok, pourquoi pas ? Je sais pas. Je suis d'accord avec le chat. Je vais mettre en je sais pas. Pourquoi pas ? Il n'y a rien de... Les gars, là c'est juste ouvrir vers les 30. Et après, moi je demande que ça. Pour qu'on me fasse fermer ma gueule. Et que on découvre des personnes incroyables. Data ! Vas-y, Data. Mec, tu reviens à chaque fois qu'il y a une Louvar ou quoi ? Je l'ai été plusieurs mois, mais j'ai pas une thune. Je suis fauché. Alors, pas actuellement, mais après la Louvar, avec plaisir. Bah, ouais, bien sûr, ouais. Ah oui, pas folle, la guêpe.
Aïe, aïe, aïe. Champion, 999 à 500. T'es revenu sur le jeu, Data, ou pas? Il est reparti. Il est reparti, les gars. Depuis sa sortie, oui, l'utilisation du son pour savoir où sont les ennemis. Attends, t'as vraiment marqué ça? Quelle est ta plus grande qualité? L'utilisation du son. Ta plus grande qualité, l'utilisation du son. Incroyable. Incroyable. Ah les gars, ce joueur, il a une utilisation du son qu'on n'a jamais vu. Quel est ton plus grand défaut? Parfois, j'oublie de call. Ah, le son. Quand j'avance. Mais j'y travaille. Ah oui, répétition de j'y travaille. Ok, très bien. Excuse-nous, André Malraux. Du coup, Logitech Razer Renata HyperX 65 Hz. Merci le Guise d'avoir offert un data ses droits de scolarité. Attendez, il a mis quoi? Je l'ai été plusieurs fois, mais j'ai plus une thune. Merci du coup de le Guise d'avoir offert à Data son premier et unique mois de frais de scolarité. On attend. Il y a marqué un mois. Il y a marqué le Guise has gifted a sub to Data 1 month. J'ai changé de compte. Ah, t'as changé de compte. Ah, excuse-nous. Ah, il a changé de compte. Ah, oh, putain. Putain, je suis con. Bon, Baptiste, 17 piges. On va aller voir le tracker. Maybe Data. 1,25. Ça joue H et Doc. Je perds tous mes comptes Twitch aussi. Ah, bah, le son. Veps est passé. Ouais, t'as recalé Veps. L'autre, il parle de lui à la troisième personne, tu sais. Non, je déconne, je sais plus. Bon, vous en pensez quoi? Allez, vous me dites. C'est parti. Sondage. Il a dit quoi? Attendez. Alors pour commencer, oh les gens qui commencent en me disant alors pour commencer, je vais jouer, donc c'est déjà cool vu qu'il n'y aura pas les cheaters comme en ranked. Ensuite j'espère que je vais pouvoir progresser vu que ça fait quand même une belle expérience. J'ai déjà une LAN et j'aimerais bien pouvoir en faire une autre pour aller encore plus loin. Les gars, je sais que c'est votre génération Z de merde là, ok? Mais j'en ai rien à branler de votre expérience. Il est hyper important que vous compreniez que j'encule votre expérience. J'en ai rien à foutre que vous ayez une nouvelle expérience dans votre vie. Vraiment, je suis pas votre daron, en fait. Il y a une seule bonne réponse. Qu'attends-tu de cette aventure? Enculer des darons. Faire top 1 à la Louvar. C'est tout, en fait. Non mais c'est vrai! Une nouvelle expérience, les gars. J'ai déjà fait une LAN et j'aimerais bien pouvoir en faire une autre pour aller encore plus loin. Ah bah ouais, bah... pour aller encore plus loin. En Belgique, du coup. Je peux pas me permettre de faire celle-ci. Hein. Seul. Pour la simple et bonne raison que je suis devenu étudiant et j'ai pas une thune. Ah bah au moins c'est franc. Au moins, Data... au moins c'est franc, je veux dire. Anyway... J'aimerais bien pouvoir aller le plus loin possible dans cette aventure. Ah, mais bon, vu ton compte en banque, tu vas aller à Tours. As-tu des expériences compétitives? Alors oui. Comme je joue depuis un bon moment, je fais beaucoup de trucs. Ok. Bon, des trucs pas fous, certes, mais des trucs quand même. Ça compte? Plus d'une dizaine d'équipes, dont 2-3-4 qui ont duré. Et un max de compétitions. Go 5. What? ELC, Talent League et tournoi communautaire. Au niveau des LAN, j'ai pu en faire une en novembre dernier, la Max LAN, dans laquelle j'ai fait un top 1 amateur. Mais la Max LAN, c'était pas déjà une LAN amateur? Les gars, je sais que vous...
Mais top 1 amateur de la LAN amateur. C'est déjà bien. Non, c'est nul. Pour ma première LAN, j'ai été assez content de l'expérience. Tu m'as l'air sympa, Data. Tu pars de Nantes en plus ? Faut encore que je joue le taxi ou pas ? Ah, c'était toi ou pas ? Data. Ou il y avait un Darta. C'était pas toi qui étais allé à la machine. Ça se trouve, je confonds depuis tout à l'heure en fait. Ah, c'était peut-être Darta que j'avais amené il y a 2 ans. Il savait pas où dormir. Ah, c'était Darta. Ah oui, d'accord, ok. Non, c'était pas toi. Il savait pas où dormir, il avait dormi chez WAM. Non, non, d'accord, ok. Non, c'était Darta, que j'avais amené il y a 2 ans. Enfin, il y a 2 ans, l'hiver dernier, en fait. Il y a 1 an. Du coup, ah oui, c'est vrai, Data et Darta. Ah oui, d'accord, ok, au final, je me fous de ta gueule, mais je te connais pas, quoi. Bon, c'est bien écrit. T'as fait une belle présentation. 17 ans, pourquoi pas ? T'as pas un rond ? Ok, c'est marrant. C'est marrant, vas-y, go. Let's go. Pourquoi pas ? Je te donne ta chance. On verra. Dedo. Samy, GT sub. Eh ben, c'est dommage. 1732 heures de jeu. Champion, 999 à 500. Ok. Depuis quand tu joues à Rainbow Six ? 6 ans. Oui, frag et du clutch. Ma grande qualité. Quel est ton plus grand défaut ? Attendre quand il le fait, ça m'arrive souvent. What ? Attendre quand il le fait ? Ok, Yoda. Donc du coup, souris, j'ai rien compris. Un iPhone 12. Qu'attends-tu de cette aventure ? Les mecs, allez vous faire enculer. On va pas à Europa Park, en fait. Hein, le but du jeu, c'est pas « Oh, c'est trop bien et tout, machin et tout. J'en ai ras-le-bol, moi. Je veux que vous gagniez. Du fun. Comment ça, du fun ? Il y a zéro fun, là-bas. Je veux du tryhard, moi. Je veux des gens qui aillent mettre leur nom sur la louvard, sur le, tu vois, sur le truc, quoi, en disant « Non, la louvard, déjà, c'est pas un major, c'est pas un mineur. » Il nous reste que ça, donc tu vois. Donc on y va, on fait top 1 ou rien. Voilà, c'est ça. Le spirit, c'est ça. Top 1 ou rien. Voilà. Mais ouais, on veut du gros tryhard, là. Blast Quald, top 14. Rumble Quals, Benelux Cup et Vivid Cup. Ok, j'en connais aucune. Mais ça doit être... On veut quand même, on veut quand les équipes repartent, elles désinstallent le jeu. Grave ! La Louvre, c'est pas un club med. Exactement. Moi, je veux des gens qui veulent défoncer d'autres personnes. Non, mais sérieusement, je veux vraiment des gens compétitifs, quoi. Le but du jeu, c'est pas juste d'aller vous balader en Belgique, les gars. Je vais participer. Prends un sub, Arxen, déjà. Et ceux qui sont à la bourre, les gars, sachez-le, dans ma tête, déjà, vous êtes déjà à -. Étoile, tu participes pas ? Anzo Food Gaming. On n'a pas vu le tracker. Ouais, ok, mais bon, le tracker, est-ce que c'est worse ? Ok, c'est pas si dégueulasse, au final. Ah, aïe. Aïe. Il est belge. C'est pas dégueu. Non, je participe pas, moi, sorry. Ah bah bravo, belle mentalité, étoile. Merci Lolo, pour les 7 points de frais de scolarité, t'es un monstre, poulet. Vous savez pas trop, du coup ? Ok, on le met en je sais pas trop. Ouais, c'est parti. De toute façon, ça peut être repêché, hein, je sais pas trop. Du coup, démo. Putain, la vache, y a du monde.
Piotrek, what? On va recaler. Hein. Non, je ne suis pas sub, seulement follow. Manque de budget. Bah, putain, vous êtes vraiment tous des fucking rats. Sur mon main de plus de 3000 heures, si on compte tous mes comptes, plus de 7000 heures. Champion 1999 à 1000. Ok. Depuis quand tu connais 6 ans, sur le bout des doigts, ma vision de jeu, trop d'intensité dans l'école et quand je suis à l'aise, j'ai tendance à trop monopoliser la parole. Ouh là 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 là. Ça, ça veut dire... c'est pas bon. 140. En moyenne, 140 ? Piotrek, 140 en moyenne, c'est-à-dire qu'il y a des chutes en dessous de 140 ? Pas ouf, c'est pas ouf. Oula. Suite à une bonne expérience au niveau T4, T3, low, j'aimerais avoir la possibilité de monter au plus haut. Je consacre beaucoup de temps à Rainbow Six grâce à mon travail qui me le permet. Et j'ai encore l'objectif et l'envie d'être pro. J'aimerais viser le high T3, low T2. Attends. High T3. Ah oui, d'accord, ok, on s'en fout. D'ici fin 2024, je mettrai tout en œuvre pour y arriver. PS, je tiens à préciser que j'ai une légère... J'arrive pas à dire ce mot. À l'écrit, désolé d'avance pour le nombre de fautes incalculables. Les gars, juste un truc. Juste un truc. J'en ai rien à branler de votre dyslexie. Ce truc-là, là, qu'on entend partout, que vous voyez partout, etc. Ça marche quand vous faites des trucs pas sur Internet, ok ? Et si vous faites un CV, vous allez pas mettre en bas PS, désolé, je suis dyslexique, ok ? Vous allez prendre un correcteur orthographique et vous allez vous faire relire le truc, d'accord ? C'est pas grave en soi, mais arrêtez avec ça là. C'est pas une excuse à tout. Faites-vous relire, travaillez, etc. Et arrêtez de vous poser en victime, quoi. Oui, on a tous des problèmes, quoi. J'ai fait partie de nombreuses structures et équipes plus ou moins connues, telles que Troukloa. Tranquille ou quoi. Outbreak, Glorious Esport. Là, je me suis dit, en revanche, là, il y a une dyslexie, là, parce que là, je comprenais pas. Glorious Esport. Eoluxien, eSport Devil, Opal eSport. J'ai participé au Blast et au Qualifier 6 sans faire de gros top. Et mon meilleur top est un top de ELC Major Summer League. Ok, les gars. Bon, il a 20 ans. Il est jeune. Siskat, une personne au-dessus a dit que Dodo David avait des comptes ban plus haut. Allez, ça va repartir, là. Voilà, on va arriver dans le top, du gratin, du fils de pute, là. Là, j'aime bien, là. Ouais, mais lui, c'est un enculé, hein. Lui, c'est un raciste. Lui, c'est un fils de pute. Oh, là, ça, j'aime bien. Je vais bien me mettre dans la sauce encore juste avant la Louvard, là. Ouais, 6-4, franchement, ça va pas d'inviter lui, là. Si, franchement, eh ben, c'est le fils de Eric Zemmour. Ah, merde. Ah, fuck. Ah, bah, je savais pas, du coup. Ça fout la merde. Bon, démo. Il fait quoi, démo, les gars? On en fait quoi de démo? Allez, juste un truc, les gars. Et en revanche, sérieusement, je prends aucun risque à cette saison. Je vous le dis, là, je suis en mode... Je rigole parce que j'ai pas dormi et tout, machin. Mais je vais être très sérieux. Hein. Je prends zéro fucking risque. J'ai pas encore envie de gérer des dramas à 3h du matin, c'est mort, ok ? Je prendrai pas de risque, c'est bon, d'accord ? J'ai donné des chances, je donne des chances, etc. Le principe d'une seconde chance, par définition, juste un truc, hein, pour les dyslexiques du coup, hein, la différence entre seconde et deuxième, c'est que seconde, il n'y a pas de troisième. Voilà. Je donne des secondes chances, à la limite, derrière, c'est bon, quoi. J'ai pas que ça à foutre. Et en revanche, derrière, on passe au filtre, d'accord ? On envoie les noms des personnes qui vont participer. Les 30 personnes, on va les envoyer à une personne qui bosse avec Ubisoft. Pas Ubisoft, puisqu'il ne me parle pas, ok ? Mais on va les envoyer à quelqu'un qui bosse avec Ubisoft. Cette personne, du coup, elle va checker et elle va faire un background check, ok ? Si vous avez eu un jour un compte qui a été banni, un truc, vous allez faire preuve de toxicité, des trucs qui n'apparaissent pas ici, des trucs parfois où vous dites « merde » et que moi, je vous dis, ou un mec du staff vous dit « désolé, mais tu passes pas, cherchez pas à comprendre ». Cherchez pas à comprendre. Voilà, dites-vous juste oh, ok, pas de problème. Et pas de ah ouais, je comprends pas. Parce que là, derrière, ça va vous péter en pleine gueule. Je vous le dis. Donc, vous avez encore le temps de retirer votre candidature, quoi, hein, pour certains. Ah, on prend zéro fucking risque.
S'il y a des trucs qui traînent, des machins, des « Ah, il a dit ça », des trucs, c'est bon, quoi. Ok. Du coup, pardon, désolé, ça donne quoi ? Ça. Du coup, démo, pardon, excusez-moi. Démo, c'est pour démo, là. Bon, démo, visiblement, ça passe pas. Je vais le mettre dans je ne sais pas, du coup. Ok, je ne sais pas trop. Alright. Néanmoins, pour moi. Du coup, on en est à Disney. Mika. Enzo, 19 ans. J'étais sub. Aïe, plus de 5000 heures de jeu. Champion, 999 à 500. Attention, depuis quand tu joues à Rainbow Six ? La bêta, ouais, oui. Quelle est ta plus grande qualité en jeu ? J'ai une très bonne aim avec un style de jeu super aggro et une grande vision de jeu grâce à mon XP. Ouah, ça va ! Oh l'autre, comment il se suce la bite ! On n'a jamais vu ça dans l'histoire de l'auto-suçage quand même. Incroyable ! Non mais je veux dire, la confiance en soi, ok, mais bon quand même. J'ai une très bonne aim avec un style de jeu super aggro et une grande vision de jeu. Trois superlatifs. Grande vision de jeu grâce à mon XP. J'aurais rajouté incroyable. Grâce à mon XP, incroyable. Quel est ton plus grand défaut ? Beaucoup trop aggro à certains moments. il est fort. Logitech G Pro, 2 Kiwan. Logitech, nanan, bam bam. 180-240, les gars. Acheter un PC. PC shooter, les gars. Point d'exclamation flow up. De prendre de l'XP et participer à la Louvar avec une nouvelle... Ah, de prendre de l'XP, les gars, vous n'êtes pas dans un MMORPG, vous me cassez les couilles. Avec une nouvelle équipe. Non, Mika, t'es là, Mika, ou pas ? Mika, tu sais ce qu'il faut dire. D'aller enculer des darons et de gagner. Oui, win max LAN 2 top. Oui, win max LAN 2. Ok, top 3 GA. Top 3 GA ? Ah, laquelle ? Blast Qualifier, ELC Top 4, PGW. Vous aviez pourtant un très bon coach à la Gamer Assembly. Attends, je me gratte le yep. Bah, il est pas là, vas-y, je peux même pas faire des blagues, du coup. Il s'en bat les couilles. Bon, bref, Mika, ça passe directement. Il est où ? Disney, nanana, bam, plus, je vous le dis tout de suite. fiche de Hambo, Louis, 2000 heures, champion supérieur à 3000, étudiant, non, point. Voilà, déjà, bam, non, non. 2000, champion 3000. Depuis quand ? Je joue à Rainbow Six depuis 2016. Oui, je joue avant tout pour l'équipe et ne souhaite pas forcément être sous les projecteurs. Donc, peu importe mon rôle dans la game, je me donnerai toujours à 100% pour que chacun de mes mates soit aussi à 100%. Ok ? J'aime bien motiver les troupes et remonter le moral quand la game ne va pas dans le sens que l'on souhaite. Ok. Quel est ton plus grand défaut en jeu ? Le droning. Je joue majoritairement support et j'ai tendance à trop droner et pas assez suivre les premières lignes une fois que les premières pièces de l'attaque sont contrôlées. Ok. Logitech G Pro 800 DPI de Kiwan, Logitech G Pro 240 avec Koenig. Ok. Qu'attends-tu de cette aventure ? Mon plus grand intérêt est d'acquérir de l'expérience. Afin de me rapprocher du but ultime de ma quête. Ah ouais, vraiment les gars, vous êtes tous dans un MMORPG. La vie pour vous, c'est World of Warcraft quoi. Franchement, les gars, on va à la Louvar pour défoncer des gens. On va pas à Ironforge pour crafter une épée quoi. C'est relou. Le T2 puis le T1.
En participant, j'espère me montrer sous mon meilleur profil afin que d'autres joueurs me remarquent et potentiellement s'intéressent à moi pour pouvoir rejoindre des équipes de rang supérieur et encore plus perf sur la scène FR. Bon, lui, au moins, il a compris comment ça marchait la scène pro. GA 2023 sous le blason Five... What the fuck? Je m'en souviens pas de ça. Vous avez passé, ils ont pas passé l'épaule du coup. Merci Frozen pour les 9 mois de frais scolarité à un monstre. On va voir du coup, champion. Ok. On fait quoi de lui? Discutez dans le chat. C'est quoi T2, T1? T2, T1, c'est les sur World of Warcraft, c'est les armures. Armure T2, tu vois, c'est les gants du dévot pour le prêtre. Non, je déconne. Tier 1, tier 2, quoi. C'est un tiers, quoi. C'est... Tier 1, c'est joueur professionnel. Tu imagines une représentation pyramidale d'un niveau de jeu et la case du haut, T1, c'est les joueurs pros, quoi. Tier 2, c'est les joueurs... Il n'y a plus de CL, donc bon... Il y a une CL encore? Je sais pas. Il n'y a plus de CL maintenant? Non. French League. Ouais, bon, là, disons que c'est plus dur. C'est beaucoup plus facile de voir les T1 maintenant. Ça, c'est sûr. Bon, on pourrait déjà... Certains peuvent argumenter en disant qu'à l'intérieur du T1, t'as déjà du T2 au final. Hein, parce que bon, il y a les équipes... souvent, les équipes de T1 qui gagnent sont les équipes de T1 et les équipes de T2 qui gagnent pas vraiment sont un peu... Enfin, les équipes de T1 qui gagnent pas vraiment sont un peu des équipes de T2 quelque part, quoi. Hein? Mais en tout cas, si on devait comparer ça par rapport au foot, bah, tu remplaces le T par un D, quoi. D1, D2, D3, division 1, division 2, quoi. C'est les divisions, en gros. Mais bon, on est d'accord que, tu vois, Nantes, par exemple... n'est pas dans la même cour que Rennes, par exemple, tu vois. Pourtant, ils sont tous les deux dans le même tiers. On sait bien que Nantes est bien au-dessus, par exemple. Nantes, c'est clairement du T1. Ok, du coup, vous avez décidé moins, carrément. Ah ouais, ok, et eh ben, moins, alors. Ça ne veut pas pour autant dire que, voilà, quoi. Espur, je l'étais pendant 6 mois, mais la vie estudiantine est chère. Ok, Rémi. Plus de 5000 heures. Diamant. Bon, pour le moment, diamant, les amis, ça va passer dans je ne sais pas trop ou moins. On ira repêcher tout à l'heure. Ferrari. Joueur déjà ambassadeur Youngtis. Joueur principal. Opérateur principal, vigile. Non, je décolle. 19 ans. Ferrari. 5100. Champion 999 à 500. Depuis quand tu joues Red Crow sur Play? Oui. Lame ou la confiance en moi? Plus grande qualité. Plus grand défaut. Communication. Cela dépend du rôle sur lequel on me place. Logitech. G Pro 144. Je les bloque à 144. Sinon 240. Logitech C905. Ok. Je t'attends. Qu'attends-tu de cette aventure? Je t'attends de cette expérience comme tout le monde. Non. Une chance de me faire voir. Oh là 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 là. Influenceuse beauté. De prouver de quoi je suis capable et d'avoir l'opportunité d'acquérir de nouvelles compétences avec une équipe stable. ChatGPT, quoi. Également la chance de participer à la Louvard pour la première fois. J'ai toujours eu du mal à trouver une équipe étant donné que je ne suis absolument pas connu dans la communauté. C'est donc pour moi une chance de pouvoir en trouver une et m'améliorer. Ok, c'est mieux ça. As-tu des expériences compétitives? Nobody Wants Us, Gamer Assembly 2023, Top 7 Art Pro. Ok, le Wikipédia et tout. Random Picks, Louvard 2021, Winter Qualifier, top 1. Ok, Random Picks. What? Il n'y avait pas de qualifier. Louvard Game 2021, il y avait un qualifier? What? Je suis champion top 200. Ah, c'est bon, te la raconte pas trop. Confiance en moi. Ferrari. Attends, merde.
T'as menti. T'es pas dans le top 200 si c'était 251. Ah ah. Nantes, c'est district au cas où. ADN, tu niques ta mère avec ta ville de merde là. Rennes, c'est pourri, les gars. Nantes, c'est clairement au-dessus. Ça va, t'as glow up, hein. Il y a des liens GA sur Wikipédia, je savais même pas. Je pense, ouais. Je sais pas. C'est le seul qui a bien expliqué son projet pro. Vous perdez tous vos matchs contre Rennes. Ta gueule, toi. Heureusement, j'ai glow up. Ouais, ouais, ça partait de loin. C'est quoi Commanding Force? Attendez, il y a vraiment une OP qui s'appelait Commanding Force? Ah, c'était pas Thorn? Brava! Putain, la vache! Ça s'appelait Commanding Force. Oh, j'ai complètement zappé celle-là. Ok, Grim, je crois. Ouais, bien vu. Ouais. Brava, quoi. Ok, donc du coup, Ferrari. Ouais, là, c'est pas ouf. Hein. Du coup, vous en pensez quoi? Il est déjà ambassadeur pour Youngtis, les amis. Voilà. Qu'est-ce qu'on en fait de Ferrari? Merci, Kassayou, pour les 5 mois. T'as un monstre, poulet. Ok, bon, vous êtes des lèche-cul de toute façon. Vas-y, je vais me mettre dedans. Ok. Geek Move. Ah, il a offert plein de subs, les mecs. Oh là là. Putain. Est-ce qu'il est toujours là ou pas? Comment je fais, moi? Il a donné 100 subs, les mecs. Merci, Général, pour les 4 points de frais de scolarité. Il a donné 100 subs. Mais comment puis-je lui dire, sans être un enculé, hein, que indépendamment de ce qu'il a payé, hein, il a l'air de puer la merde. Geek Move, dis-nous que tu es parti, tu n'es plus là. Geek, tu es parti? Geek Move. Il est parti, il est plus là. C'est bon, je peux le mettre dans le moins moins, c'est bon. Il est plus là, Geek Move, t'es plus là. 100 subs en plus? Oh merde, il est là! Oh merde! Le game sense, c'est la connaissance de map. Le shoot. Geek Move, t'as vraiment envie de participer ou quoi? Ou tu fais ça pour le machin? Non mais sérieusement, qu'on se parle franchement, parce que j'aime bien être dans le... Tu vois bien le niveau de jeu, poulet, en étant Emerald. On se connaît pas tous les deux. Quel est ton plus gros défaut? Le shoot? Geek Move. Geek Move. Réponds-moi, s'il te plaît. Paul. Polo. Il est mort. Polo. C'est des champions, hein. Je te jure, il n'y a rien de pire. Polo, il n'y a rien de pire que de se faire niquer toute la journée sur Rainbow Six. Hein. Il n'y a rien de pire. Hein. Je te jure, il n'y a aucun plaisir à se faire laver le cul toute la journée. Hein. Vraiment, je le dis sincèrement, quoi. De nouvelles connaissances et une meilleure approche du côté compétitif de Rainbow Six. De... Geek Move, Polo. Polo, c'est... Tu confonds, c'est Tinder, ça. Non, mais tu confonds, c'est, je pense. De nouvelles connaissances, c'est Tinder. Hein. Ça n'a rien à voir avec Rainbow Six. Alors oui, sur les deux applications, il est vrai que le but du jeu est d'enculer des mères, quelque part, ok? Néanmoins, tu vois, j'ai été membre de Petite Team Gold en IR4. Je sub chaque 1.
je sub chaque 1. Geek Move, je peux pas, tu peux pas payer ton truc, tu vois ce que je veux dire ou pas? Maintenant, pour la modique somme de 1000 subs, bon, il se peut que ton dossier termine dans les plus. 1000 subs, non, Geek, c'est une blague, c'est une blague, attends. L'autre, il va se chauffer et tout. Non. T'as vraiment envie ou pas? Viens, tu sais quoi? T'as fait beaucoup de dons. Viens sur Discord. Fais pas de bêtises. Calme-toi. Viens parler à Tonton 6-4. Viens sur Discord. Non. Fais pas de conneries. Parce que si tu mets 1000 subs, là, je te prends pas pour autant. Non, faut y aller. Un sixième en vrai. Non, je lâche rien, t'es caté, MDR. Ouais, en plus, t'as 20 ans, frérot. C'est pas comme si t'avais 40... T'as 19 ans. Ah, il est là. Vas-y, je le move. Bon, Polo. Bonsoir. Ça va? Ça va et toi? Ah ouais, ça va, ouais. Bon, qu'est-ce que tu fais si t'es à ma place? Moi, j'accepte pas ta place, hein. Ok. Non mais t'as envie que j'accepte ou t'as pas envie que j'accepte? Non, en vrai je pense qu'il y a forcément des meilleurs joueurs que moi, tu vois. Mais on attend au cas où, tu vois, si jamais... Attends, là vraiment toi tu penses que t'as le niveau pour y aller? Non, je pense pas. Pour aller à Louvard, je pense pas. J'ai aucun... Enfin là, un petit peu quand même. Mais... Moi, j'aime bien qu'on me fasse fermer ma gueule. Hein. S'il y a un mec qui arrive, il me dit vas-y, je suis sûr que j'ai le niveau, j'encule tout le monde. Après, tu vois, moi, je veux bien que ça joue à 1v1 contre le fils de Guise. Ouais, mais que les gars, il est pas dans les meilleurs qu'on a filtrés. Premier degré, là. Bah, je sais. Ok. Ça. Et le but du jeu de la Louvard, poulet, c'est vraiment d'aller soulever la coupe. C'est pas juste d'y aller, quoi. C'est vrai. Non, mais je sais. Après, et le truc, c'est que d'un côté, il y a une volonté pour moi que tu puisses te marrer dans un truc comme ça, parce que c'est cool, tu vois, de participer au Youngtis Royal. De l'autre, je te dis ce qui va se passer, ok? Demain, tu vas jouer. Vous allez être 30, ok? Il y a peu de chances par rapport au niveau de jeu et par rapport au niveau que j'ai déjà vu au final, parce que j'ai pas attendu qu'on lance le live pour voir le niveau et les personnes qui s'étaient recrutées, quoi. Je connais à peu près les joueurs du subtop, tu vois. Donc, il y a peu de chances que tu passes un bon moment demain. Tu vas te faire laver le cul. À moins que le profil que tu m'as envoyé ne reflète pas la personne que tu es. C'est possible. J'y crois pas. Mais c'est possible. Donc, okay. Et si tu te fais laver le cul, tu vas pas passer un bon moment. Et en plus, tu auras toujours ce remords de te dire « Et si j'ai pris la place de quelqu'un d'autre ?»« Et si j'avais pris la place d'un mec qui avait peut-être lui le niveau et qui avait peut-être la possibilité d'y aller, tu vois ?» C'est vrai. Reviens avec un niveau de jeu. Le champion, il est accessible pour tout le monde maintenant. Le champion, c'est un brevet des collèges. C'est même plus le baccalauréat, tu vois. Maintenant, c'est un brevet des collèges, quoi. Faut revenir avec un champion. Et là, on commence à discuter, quoi. En dessous, moi, ça en dit long, en fait. Ça ira ou pas? Tu vas pleurer, là? Oui. Non, tranquille. De toute façon, je reviendrai plus fort. C'est ça le but. Il y a intérêt, ouais. Ça va être quand la prochaine Louvard? Gamer Assembly plus Louvard. Normalement, si c'est comme cette année, en mars de cette année... S'il y a un autre Youngtis Royal, si 2023 est... Si 2024 est une copie de 2023, en mars, le Youngtis Royal, fin mars, la Louvard, début avril, la Gamer Assembly. On va réserver une place, alors. Ah ouais, mais ce sera pas avec des dons que tu pourras y participer, même si ça me fera plaisir. Non mais vraiment, j'insiste. Il faut que je dissocie les deux, j'espère que tu le comprends, quoi. Ouais, tranquille, y'a pas de soucis. Ok, bon bah je te remercie en tout cas, poulet. Merci encore pour tous les dons, t'es un monstre, vraiment. Salut, poulet. Bisous, ciao. Ciao. Non, vous pensez que j'ai bien fait ou pas? Je suis copieur, combien de subs pour participer?
Bon, Geek, du coup, je te mets dans les moins. Tu reviens avec champion, poulet. Ok? Eat champ. Yeah. Sleazy. Arxen a 2 de QI, les gars. Hein. Ah ouais, carrément. Ça aurait été marrant à suivre demain son aventure. Moi, je veux bien, mais ce que j'ai dit, les amis, c'est quand même pas déconnant. Non? Il y a quand même un... Ça se fait pas, il a fait plein de dons. What? Vas-y, hey, niquez-vous. La démocratie va voter. D'accord. Vous votez pour Geek Move. Je ne veux pas en entendre parler. Je respecterai votre choix. Mais pas, je ne veux pas du tout en entendre parler après. À aucun moment, on revient et on remet ça sur le tapis. C'est la démocratie. C'est vous les responsables de ce choix. Merci Monsieur Zog pour les 22 mois de frais de scolarité. Derrière, le sujet, il est clos. Geek Move, il tape 1 quand même. Hein. Oh la vache! On tente, MDR. Je vais laisser exactement 30 secondes. 29, 28, 27, 26, 25, 24. Bon, c'est pas des secondes pour le coup. 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17. Et j'appuierai sur le bouton. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Geek Move, il va où ? 0. Nous n'en parlons plus. 42 à 40. Merci Cassis d'avoir payé tes 27 mois de frais de scolarité. Merci Geek Move d'avoir offert à Moa et à Kaguya leurs droits de scolarité. Et il leur a payé les droits pour qu'ils passent le follow et qu'ils puissent appuyer sur 1. Démocratie is démocratie. C'est bon ou pas? On est d'accord? Six, c'est demain les tests. Oui, les play days commencent demain, les amis. C'est pour ça qu'il faut que j'aille me coucher un moment. Excusez-moi, pardon. Je suis malade. Du coup, c'est parti. Guardiola. Guardiola, c'est DZ Power. 36-14. Diamant. Oh, vas-y, DZ Power, là. Bouzide. Bouzide. Merci Geek Move d'avoir offert un gosse. C'est deux mois de frais de scolarité. T'es un monstre, poulet. Mais je retiens quand même. DZ. Quelle est ta plus grande qualité en jeu? Ma force mentale. Oui, lâcher prise quelquefois, c'est bien, mais il ne faut pas que ça devienne une faille sur notre art de la guerre. Mais il ne faut pas que ça devienne une faille dans notre art de la guerre. Porter sur soi. Ah bah non, en fait. Non, c'est de la merde. Ah ouais, ah, j'étais en train de réfléchir. J'étais en train de me dire, t'es incroyable. Et en fait, non, c'est vraiment une phrase de merde, en fait. Ça ne veut strictement rien dire. Hein. C'est vraiment un assemblage de mots, quelque part, hein, qui ne veut strictement rien dire. C'est nul. C'est nul. La résistance au changement, c'est ça que j'affronte. La résistance au changement, c'est ça que j'affronte des Z-Power. On dirait les paroles d'une chanson de Pascal Obispo, fils de pute. Vas-y, go ennemi, va t'inscrire. Je ne suis pas du genre à lâcher l'affaire. Ouais, mais tu devrais. J'ai vécu autant IRL que sur Rainbow Six des moments durs. Oh non, putain, non, pas la carte. Pas la carte de l'émotion. J'ai même joué avec une commotion plus côte fêlée le jour de ma blessure.
Attends, une côte fêlée, tu te fous de la gueule de qui ou quoi? Je me suis fêlé des côtes, moi aussi, ça fait rien. J'ai même... C'est quoi, une commotion? What the fuck, Pussy, ça va ou quoi? T'es sûr, vraiment? T'es sûr que ta plus grande qualité des Z, c'est ta force mentale? Non, vraiment! Tu t'es pas gouré de cases, c'est en dessous le plus grand défaut. Ah, mon altruisme, ok. Le fait que pour moi, droner ou jouer en premier pour une revenge derrière n'était pas une contrainte. Mais à force de se donner pour les autres, on perd ses ailes. Oh là là, big flop. DZ, qu'est-ce que c'est que ça? Non mais... DZ, parle-nous! Pourquoi tous ces mots? DZ! C'est du troll ou pas? Ok. Oula. DZ, moi je t'aime bien en plus, tu me fais marrer, je t'aime bien. Qu'attends-tu de cette aventure? Un tremplin vers un niveau ultime. Une aventure. Et faire un meilleur Yungtis. Le premier est tombé au pire des moments. Et je n'ai quand même pas lâché le steak. L'affaire. C'est l'affaire. Lâcher l'affaire, on dit. Hein. Ok. Bien que mon mental n'était pas au rendez-vous. Ah ! Ah, comme quoi. Donc surtout performer. Et cette fois-ci, gagner la LAN. Ah, c'est le seul qui a bien écrit. C'est le seul qui a compris ce qu'il fallait marquer. Je n'oublie pas le fait de ton apport. 6-4, ok. Mais aussi de ton staff. Tout ça pour nous préparer. Et surtout, défaire en quelques jours ou semaines passées nos défauts en qualité. Ok. As-tu des expériences compétitives? Pour mon expérience, c'est du T3, T4, une LAN GA3 2020, des scrims, fissites, tournois, French Community, équipe amnésique. Ah, ouais, on y vient. Maintenant, Oned, Smoken, Renaissance, New Edge et derrière la Yod. Une expérience en tant que capitaine et capable de IGL. DZ, t'es là? Non mais je rigole pas, je veux m'inscrire. MDR, c'est quoi? Bah donnez-lui son machin. Faux prac, eh ouais, bien sûr, ennemi. Non, sérieux, ennemi, t'inscris pas en mode bas les couilles, s'il te plaît. Le but du jeu, c'est de gagner la Louvard. C'est pas de partir en mode... Non, vraiment, moi, le but du jeu, là, qu'attends-tu de cette aventure? Gagner la Louvard. Voilà, il y a que ça à mettre ici, quoi. Le but du jeu, c'est pas d'aller s'amuser, quoi. Déjà, j'étais bien dégoûté qu'il fasse finaliste à la Gamer Assembly et qu'il pète pas tout le monde. Non, vraiment. Ok, bon, qu'est-ce qu'on fait de DZ? C'est vous qui choisissez. Attendez, on n'a pas regardé le Rainbow Six Tracker. DZ, ça me paraît un peu light. J'ai gagné la dernière PGW, donc parle-moi correctement. Moins ou moi. Il y avait quoi la PGW? Il y avait une Creator's Cup. DZ, il est parti, les gars. Mais j'aime bien DZ en plus, moi. Non, championnat de France sans les équipes UL. Ah oui, c'est vrai, en plus. Non, il y avait du niveau, en plus. Guardiola. Ah bon, vas-y, vous avez mis moins. DZ, si t'étais là, au moins, on aurait pu discuter, tu vois. Mais si tu pars, je peux rien faire. Ok. Il est diable, parce que depuis la ranked 2.0, c'est light un peu. Ouais, en termes de niveau. Après, je m'en fous, moi, des trucs, ça me fait rigoler. Parce que bon, voilà, tout le monde n'est pas Molière. Mais bon, après, moi, je m'en fous. Les gens, vous pouvez mettre pipi, caca, popo, en vrai. Hein. Vous pouvez mettre... moi, ce que j'aime, c'est enculer des escargots. J'en ai rien à branler, en fait. Si derrière, vous avez un niveau de ouf, pff, en soi, qu'est-ce qu'on s'en fout, tu vois. On est à la création de contenu. 700 heures, mais j'ai eu une longue pause de presque 6 saisons. Ah ouais, ok, Evan. Ok, Dylan. Ok, Emerald. Ah, les gars, c'est chaud, Emerald. Emerald, c'est chaud, les gars. Il est diable...
3614,9 heures. Il y a marqué ça? Ah ouais, ok. Emerald, les gars, c'est chaud. Emerald is the new gold. Bon. Non, mais vous êtes... Franchement, les gars, moi, je suis content quand vous répondez à ce genre de truc-là et tout. Mais là, on va essayer de vraiment d'aller... Il y a encore un gap, les gars. Allez chercher. Vous avez la possibilité. C'est l'avantage. Quand t'es Emerald, ok. Quand t'es champion, rang 300, tu vois. Après, c'est chaud, tu vois, de rentrer dans l'e-sport, quoi. Tu vois, il faut essayer de trouver des teammates, de se dire est-ce qu'il y a une équipe, est-ce qu'il y a une place, etc. Est-ce qu'elle est sponsorisée? Il faut mettre de la thune sur la table. Il faut que tu mettes de la thune. Les gens là qui vont à la Louvard, personne n'est sponsorisé. Hein, ou très peu. La plupart du temps, donc il faut mettre de la thune, il faut aller prouver, il faut aller machiner. C'est pas facile. Mais vous êtes Emerald. Vous avez encore dans le jeu la possibilité de juste cliquer sur matchmaking et d'aller prouver que vous pouvez être champion, tu vois. Et vous allez dire, ah, mais ça sert à rien d'être champion. Oui, mais déjà, ça nous prouve à nous que vous avez les capacités d'aller chercher un truc qui est relativement... une première étape qui est relativement facile à avoir, pour le coup. Ça en dit long sur votre mindset quand vous n'êtes pas champion. Après, si vous avez déjà prouvé par le passé, bon, tu vois, si Fabien arrive et me dit, j'ai jamais été champion, on n'a rien à branler. Je prenais l'exemple de lui parce qu'il n'a jamais joué en ranked. Ok, K6B. Agrios, Justin, c'est Justin ou Justin, tu vois, 16 ans, Cassis, 3000 heures, champion, 1999 à 1000, mm-hmm. Neon Down, oui, quelle est la plus grande qualité, les shot call, quel est ton plus grand défaut, un peu trop agressif à certains moments, oh les gars, excuse-nous, le défaut qui n'en est pas un, what the fuck? Bien cordialement, fils de pute! Bonjour, je me présente, Justin Cassis Rico, j'ai 16 ans, et comme vous auriez pu le constater, je suis un jeune joueur Rainbow Six Siege. Oh, chat GPT, quoi. Je pense, comme tout le monde ici... Ok. Être tombé amoureux du jeu, sa stratégie, et tout ce qui englobe Rainbow Six me fascine et me motive. La compétition est quelque chose qui me donne tellement envie de réussir et de progresser. Avec à l'heure actuelle deux LAN, dont les deux dernières Louvard précédentes, avec des tops assez moyens, mais qui restent franchement abordables. Ok, non... Il y a le top 1. Et c'est tout. J'ai eu des récentes équipes où j'ai été le capitaine. Je peux jouer tout type de rôle, mais mes préférences restent pour le flex. Je suis bien évidemment m'adapté. Bah du coup, flex quoi. Pour poursuivre, si je dois parler de mes qualités, j'ai une grande facilité à donner de très bons shot calls. J'aime proposer de l'agressivité dans mon gameplay. Ma motivation et ma détermination ont aussi un réel impact positif sur mes qualités, puisque je veux constamment progresser et aller le plus loin possible malgré mon jeune âge. Je suis à l'écoute, tout à fait ouvert aux critiques et prêt à bosser. Des expériences compétitives T4, comme je l'ai dit, comme la Louvard, le LC, des scrims contre du T2, T3, mais aussi plusieurs fois où j'ai pu pick une équipe T3, T2, MYD. J'ai la chance de côtoyer de très bons joueurs, ce qui m'aide et me pousse à progresser en m'inspirant d'eux, autant dans la méthode de travail que dans le gameplay. J'ai réellement envie d'intégrer Yungtis et de prouver que je peux faire des choses sur ce jeu. Bien entendu, je compte m'investir à 200% dans ce projet. Merci encore énormément de votre attention. Je suis ici prêt à prouver que je peux avoir ma place dans cette équipe. Bien cordialement, Justin Cassis. Ah, il a signé et tout. Delan, nanana. Putain, la vache. Oh, la lettre de motive. On dirait qu'il veut récupérer son ex. Il postule pour McDo. Next, flemme. Tiens, viens là, toi. Fucking moustique, là. J'en ai plein, là. Ok. Bon, c'est bien, quand même. On va aller voir ça. Ah ouais, il nous envoie directement le truc, quoi. Ok. Ça stagne un peu, là. C'est la faute à Shark. Qu'est-ce qu'il a, Shark? Salut, c'est comme les scores inversés depuis la mage, hein? J'ai 15 000 games avec K6B. Il n'a jamais shot call. Il ment. Non, mais sérieusement. Bam. Allez. Je l'ai pas eu. Ok. Merci Dalobo pour les 6 mois. T'es un monstre. Du coup, les gars, on fait quoi?
Ouais, il a l'air bien, ce petit jeune, là. Moi, j'aimerais bien le tester. Vas-y, on va mettre plus. 16 ans, machin, truc. Ouais, j'ai envie de voir ce qu'il donne. Oui, il est là depuis longtemps, Cassis. Il mérite. Enfin, on verra s'il mérite. S'il me casse les couilles, en revanche, ça va vite. Ça va, je... voilà. En comptant la PS4, le PC et les scrims, je dirais entre 10 000 et 15 000 heures de jeu. Attends, hé, les gars. Les gars. Juste un truc. Putain! Merci DZ Power d'avoir offert à Lille pour ces 2 mois de fin scolarité. Hé, hey, Bouzid, t'étais là tout à l'heure ou pas? On a retrouvé DZ, il est là. J'avais plus de batterie. Ah, commotion. Commotion sur la batterie ou pas DZ? Ah, je plaisante, poulet. Mais reviens avec un champion, poulet, vraiment. T'as le potentiel. T'as le potentiel. Mais reviens avec un champion. Ok, en comptant la PS4, 10 000 et entre 10 000 et 15 000 heures de jeu, les gars, vous pouvez pas faire une fourchette comme ça, quoi, en fait. C'est pas possible. Du coup, tu viens de rajouter 50%. Karmaz, Arnaud, 24 ans. Bon, déjà, mature. Bam. Je suis arrivé PC mars 2019. J'ai pas lâché le jeu depuis. J'ai toujours fait de la compétition. J'ai passé 4 ans full time sur le jeu. What the fuck. Mon expérience, ma capacité à diriger en équipe. J'ai IGL à haut niveau national et Challenger League. Du coup, qui est-ce qui peut m'en dire un peu plus? Franchement, je connais zéro subtop. Je suis vraiment un pire fils de pute. Je dirais que je peux être impacté par mon environnement de jeu si je joue avec des personnes qui me communiquent pas ou qui font preuve de toxicité. Cela peut avoir un impact sur moi. Ah, RQ, du coup, tu peux pas jouer avec lui. Karmaz, très bon joueur. Ok, il y a un mec qui l'a dit dans le chat. Visiblement, Lamine, c'est le compte secondaire de Karmaz. Je note. Karmaz, très très bon. Ok, il y a ses anciens teammates qui sont là. Peut-être sa sœur. Je suis exemplaire. Ouais, Karmaz est chaud. Depuis quand il y a un Youngtis, j'ai loupé les inscriptions. Non, Baizou, t'es nul. Ok, c'est probablement ma dernière LAN en tant que joueur. J'aimerais explorer le coaching dans mes futurs projets. Aïe, 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 l'aveu de faiblesse. J'ai donné beaucoup de temps à Rainbow Six et je suis beaucoup investi dans mes projets. Je suis belge. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça partait bien. Cette LAN me tient à cœur. Quoi de mieux que de remporter un titre chez moi? J'aimerais transmettre l'expérience que j'ai pu... Ah, de gagner un titre. Bon, ça, j'aime bien. L'expérience que j'ai pu entendre, c'est diriger une équipe et l'amener vers la victoire, faire un projet sérieux et gagner la LAN. Il y a probablement beaucoup de joueurs talentueux, je pense, être la personne idéale pour diriger ce bateau. Ah, donc c'est en mode pas joueur, en fait. Diriger en mode in-game leader ou diriger en mode coach? Karma, c'est incroyable. On a presque le même blaze, je ne le connais pas. Je pense que c'est un mode in-game lead, joueur. European Challenger, etc. Ok. Ok. Bon, ça me paraît pas mal. Il y a de l'expérience, il y a tout ce qu'il faut. Est-ce que j'ai vraiment envie de cliquer sur ce tracker de merde? On s'en fout du tracker. Il y a trop de Belges. Vous êtes trop nombreux, les Belges. Ok. Je le prends parce que ça fera des économies sur le transport. Lol, le fils de pute. Kassayou, en avant. Maxime, on est d'accord. Vous alliez pas dire moins, de toute façon. Vous alliez mettre plus. Bon, je vous connais. Kassayou, je sais pas si j'ai resub. Champion supérieur à 3000. Ok. Je sais pas exactement au total, car je viens de la console. Aïe. Mais sur PC, plus de 1000, de sûr. Ok. Ok. Depuis quand tu joues à Rainbow Six, Y2S1? Connaissance du jeu, adaptation. Après, c'est pas dans le jeu, mais merci, c'est une grosse partie de ta vie, de la vie. Et je m'y donne vraiment beaucoup, trop. Ah. Mécanique, pas encore au niveau. Ah. 300. iPhone 15? C'est pas celui qui vient juste sortir, là? Et là, c'est pas celui à 1500, 3000 euros? Kassayou. Non, mais c'est pas le sujet, ok. Mais c'est important de savoir si je pars avec des gens qui sont des... Tu vois, des tueurs, tu vois. Des tueurs, des mecs qui ont de la dalle, tu vois. Des mecs qui sont morts de faim, ok. Et ça se voit tout de suite, tu vois. Ils sont sur des Xiaomi, tu vois. Ils sont sur du Honor, ok. Ils sont sur du machin. Ah, iPhone 15, bon, t'as plus faim, quoi. Tu vois ce que je veux dire? On sent que t'as bien bouffé, quoi.
Tu vois ce que je veux dire, Kassayou, ou pas? Progresser globalement, c'est la seule chose qui compte pour moi. C'est nul, ça, ce truc-là, là. Tu vois? Ça, c'est bien. Progresser globalement, c'est la seule chose qui compte pour moi. Cette petite phrase de merde, eh ben, c'est exactement... Ça, c'est bien un mec qui a un iPhone 15. Puis me mesurer à d'autres personnes de beau niveau me fait kiffer dans cette optique. Il a placé dans cette optique. Kassayou! C'est quoi ça, là? ELC Summer, Louvard 2003, celle du début d'année, quoi. Cali French Challenger, et j'ai aussi fait le Youngtis Royal 7. Et t'avais fait quoi au Youngtis Royal 7? Kassayou? Équipe Outbreak, puis Name in Black. Ah bah bravo! Ah bah, hey. Top 2 et ciao! Ah, top 20, oui, ça... À cause de l'iPhone 15, du coup, ça a fait top 2 et puis oh, top 20. Le T9, tout ça. Ok. Top 20. Et là, cette année, tu fais quoi? Tu vas faire top 5 ou pas? Est-ce que je te prends? Est-ce que t'es mort de faim? Est-ce que t'as la dalle? C'est ça, le truc. Progresser globalement, les gars. Le but du jeu, c'est pas de progresser, quoi. Là, vous avez la possibilité d'avoir un ticket pour participer à une compétition. Putain, je comprends pas, quoi. Vous avez pas un ticket pour aller participer à un entraînement. On progresse pendant un entraînement, une compétition. On nique des mères. C'est tout. Ouais, top 5. J'ai fait top 20 avec un mois de PC. Là, j'arrache tout le monde. Voilà, c'est ça que je veux. Merci, Lamine. Merci, DZ, d'avoir offert à Lamine ses droits de scolarité. Merci, t'as un monstre, poulet. Ok, on en fait quoi du coup de Kassayou? What? C'est quoi ce truc vert là? Kassayou? Merci DZ, t'es un monstre poulet. Merci mon poulet. Vas-y, il a des potes, Kassayou les gars. Vous votez pas en fait? D'accord, ok. Bon, ça, ça part dans le 1. Eh, faut que je fasse... Il est 21h, je vais jamais avoir le temps. Eh, faut couper les candidatures là. Faut qu'on accélère. Il en reste combien? Ah non, ça va en fait. Ok, Kezako. Kezako, il s'appelle Esteban. Ok, déjà un beau prénom, tu vois. 27 ans. Ok, il est vieux. Oula, depuis le début du jeu. Non mais à quel moment je te mets tant de jeux? Oula. Diamant. Ah ouais, bah voilà. 2018, grosse pause de 2020 à 2023. Non mais les gars, c'est pas une pause ça. Ça s'appelle un arrêt. Juste pleine d'émeraudes à connaître. Si votre femme, elle arrive, hein, votre copine arrive... Et elle vous dit, j'aimerais qu'on fasse une petite pause. Bon, je sais pas, 3 ans. Vous le prenez comment? Hein? C'est une vraie pause? Je crois pas, non. Merci Florianino pour les 14 mois de frais de scolarité. Là, c'est pas une pause. C'est un arrêt et une reprise. Quelle est ta grande qualité? Calme et réflexion. Quel est ton plus grand défaut? Têtu. Ok. G-Pro, naninien, X-Trefy, ok, ok. Ayant participé à la Gamer Assembly et avoir fait pas mal de temps en compète, j'aimerais retrouver ce goût et l'amour que j'ai donné à Rainbow Six à ses débuts. Ok. Adak, Nidoc, plusieurs GoFor, dont une remportée en Mix Gamer Assembly 2018, les gars. Et on est en 2023 quand même. Déjà que moi, j'arrête pas de parler de mon truc que j'ai gagné en 2016. Tu vois? 2018, quoi, avec Esteban. Ok. Bon. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? On va cliquer là. Ah. Esteban, je vais pas te mentir, poulet, ça me paraît light. Tu m'as l'air très sympa. Genre, vraiment. Tu t'appelles Esteban.
Mais je pense que c'est trop light par rapport au niveau de jeu attendu. Ça ne remet pas, quand je dis ça, en question la personne que vous êtes. Ok ? Mais il y a des gens qui sont visiblement, je dis bien visiblement, un peu plus forts que vous. Sur le papier. Visiblement sur le papier. Donc je vais plutôt partir là-dessus. Désolé Stéphane. Merci d'avoir participé, poulet. Ok. Revenez champion, les gars. Le champion est accessible. Alexis, 26 ans. Ok, champion. Bam, 3000, 2000, 2000 heures sur PC. Bam, bam. Merci Victor d'avoir offert la possibilité à 5 personnes. Satan, Nono, Xunix, Marteau99 et Max Minato. Leurs 5 mois de frais scolarité payés au sein du campus de la Solty Academy pour 5 personnes. Merci Victor, t'es un monstre. Envoyez plein de GG, plein de cœur, s'il vous plaît. Du coup, c'est parti. J'ai commencé sur PS4 et White Noise et sur PC. Ok, je suis un bon clutcher. Gardez mon calme dans certaines situations. Mon analyse de jeu trop passive. Dans certaines situations, je joue beaucoup solo, donc pas besoin de call. Un 2 key 1, gna. Ce que j'attends dans cette aventure est de progresser sur mes défauts. Les gars, franchement, j'en peux plus. Hein. C'est la saison 8 du Yungtis Royal. La saison 8 du Yungtis Royal. Quand est-ce que vous allez faire la différence entre un Grand Prix de Formule 1 et une auto-école ? Auto-école, tu progresses sur tes défauts, tu prends de l'expérience et tout, machin. Grand Prix de Formule 1, t'encules Verstappen. Travailler mon jeu en équipe en étant un gros joueur solo cul. Hein. Et puis, aller le plus loin possible. Gagner la Louvard. Ah, ok, ça j'aime bien ça. Ouais, ça j'aime bien. Ok, c'est bon, j'avais pas vu. À part précédent Salty Due, Facine, non, aucune. Bon, c'est light. C'est un peu light, Keizu. C'est un peu light. On va voir ça. Vous en pensez quoi ? Dans tous les cas, c'est pas grave après. Hein. Les gens, il y a 30 personnes et au fur et à mesure, le but du jeu, c'est déjà d'avoir on dégrossit, ok ? Après, le but du jeu, c'est les playdays qui commencent à partir de demain, je le rappelle. Eh bien, ça va être short de le faire demain. Mais bon, bref. Du coup, les playdays qui commencent demain, mais ça commencera demain de toute façon. Nous permettront du coup de supprimer des personnes les uns après les autres quoi. Ok. Enfin de pas de supprimer des personnes, c'est horrible, mais de parfaire l'objectif vers lequel nous allons, qui est celui de avoir un 5 incroyable pour la Louvard. De parfaire la sélection. Voilà, exactement. Du coup, pour vous, c'est on sait pas trop. Ok. Eh ben, c'est parti. Il est dans je sais pas trop, Kaizo. Ok. Du coup, Lamine. Matisse, 19 ans. Bam, bam. 1193 heures de jeu. Et plus. Ah. Champion, 999 à 500. Ok, ça touche. Ou pas, on verra. 19 ans, opération Else. Même après un 0-6, je n'abandonnerai pas et j'essaie toujours de remotiver mes mates. Ok. Plus gros défaut, je suis trop focus dans mon gameplay et ça peut m'arriver de pas entendre des calls ou même de pas dire les miens. Ah ça c'est chiant ça. Ok. L'effet tunnel. J'ai Pro Super Light, HyperX, ok. iPhone 11, vous êtes des fucking clients les gars. L'intérêt de cette aventure serait de voyager. Vas-y, j'arrête. Non, les gars, vous vous foutez de ma gueule ou quoi ? Voyager en Belgique ? Participer à la Louvard en tant que première compétition en LAN, de nouvelles rencontres ? Mais les gars, mais vous vous foutez de ma gueule ou quoi ? Putain, à chaque fois je le dis, quoi ! À chaque fois je dis, on va à la Gamer Assembly, le but. Eh, les gars, c'est pas du tout pour... c'est pour gagner, hein ? Ouais, ouais. Voyager... De nouvelles rencontres et progresser.
As-tu des expériences compétitives? Oui. Entre parenthèses, équipe. Entre parenthèses, compétition amateur. Entre parenthèses, bootcamp. Ouais, t'avais beaucoup de parenthèses. Il y a un problème sur l'utilisation des parenthèses, là. Ok. Bon, Lamine, pourquoi pas, 19 ans. Est-ce que tu... Si après, si ça clique, moi, je m'en fous, si tu cliques. Oula. Il y a un... Il y a un truc, là. Heavy Metal, il a fondu un peu. Moi, je veux te voir en vrai. Tu vas mettre ça dans le truc? À la Louvard, en revanche, je suis pas le coach. Hein. À la Louvard, je m'occupe pas du tout de l'équipe. Hein. Je peux pas caster, m'occuper de la prod et voilà. Lamine, il clique, TKT. J'ai joué sur mon Smurf. Comment ça va, les gens? Yo, Gribouille. Je savais pas que les Unities Royale étaient sponsor SNCF. Hein? J'ai pas la ref. J'ai pas le... Pourquoi SNCF? La mine de bronze, visiblement. Pardon. Alors, du coup, la mine, on fait quoi? Allez, votez. Non, Six, vraiment, en ça, prends-le. Déjà, les gens, écho, les gens qui me disent en ça, tu vois, mec, je suis breton, ok? Tu vois ce que je veux dire ou quoi? Ça rajoute aucune crédibilité, le fait que tu arrives et que tu me dises, franchement, en ça, prends-le. T'as le cas. Ah, ils savent pas trop les gens, faut l'aider là. Est-ce qu'on prend la mine ou quoi? Ça a dû bugger. Ah, pourquoi je suis pas dans la liste? T'es recalé, toi. Ouais, non, injustice pour Lamine. 15-15, les gars! Oh là là, vas-y. 16! Ah bah désolé, au moment où je clique sur le truc, ça passe en machin. Désolé, Lamine. Marteau. Ajlan. Alors là, attention. Attention, là. Attention, le pro-clicker, là. 19 ans, oui. Étudiant, 15 000 heures. Champion, top du top. Depuis quand tu joues? Years One. Connais-tu toutes les cartes? Oui. Quelle est ma plus grande qualité? Mon intelligence. Quel est ton plus grand défaut? Mon élocution. J'ai Pro, 2 Key One, 240 Hz, 300 FPS, caméra Logitech. Passer un bon moment? Marteau. Mais j'en ai rien à branler, moi, que tu passes un bon moment, frérot. Quel est le plus important dans les deux, là? Est-ce que tu préfères passer un mauvais moment et remporter le tournoi ou passer un bon moment et perdre le tournoi? Vraie question. Il est là, Marteau, ou quoi? Marteau! Marteau, tu préfères passer un bon moment et remporter le tournoi? Ou passer un mauvais moment? Ah, t'as compris, quoi. Merci, Tanchiro, pour les 3 mois, t'es un monstre. Merci, papa, pour les 18 mois, vous êtes des monstres. Mais Marteau, comme ça, l'équipe a une chance de gagner la Louvard. Non, mais il est fort. Je passe, je gagne le tournoi. Vrai objectif, top 1. J'espère. En fait, j'ai fait la Gamer Assembly, j'ai participé à la Saudi League à Riyad. What? Attends, c'est vrai, ça? Comment t'as fait? Sans bouger d'ici? Moi, si je peux juste faire la Louvard, j'assure la win en tant que IGL. Neko, t'es même pas sub, enculé. Putain, la vache, c'est dire que je te follow. Je valide Marteau. Non, mais Sams. Là, je vous connais, là. Le groupe des 15, je vous appelle, moi.
Si, je suis allé en Arabie Saoudite. T'étais obligé de te déplacer pour faire la Saudi League. Et t'as fait quoi là-bas? Top 1 ou quoi? Saudi League, il y avait du niveau ou quoi? Vas-y, là, ça commence à cliquer, là. Là, il commence à y avoir des chiffres tout petits, là. Ah là là. Top 4, il a fait meilleur joueur de son équipe. Sam Zwan, il est trop... C'est le... Merci Z Axel d'avoir offert la possibilité à 5 personnes pour amener Razia, Bruta, Joyster, Ena et T2AH. L'endroit de scolarité. Un monstre poulet. Envoyez plein de GG pour Z Axel. Merci beaucoup, vraiment. Ok, bon, marteau, vas-y. Y a pas vraiment besoin de tergiverser pendant 3 heures. Là. Ok, Moon. Moon. Jimmy, ok. 22 ans, oui. Helium TV, ok. Sur PC, 2000 heures, tout compte confondu. Diamant. Depuis quand tu joues? Ma plus grande qualité est mon shoot, mais aussi le placement. Je ne prends pas assez d'infos en défense. Généralement, je ne regarde pas beaucoup les caméras. Razer Huntsman Mini, nanana, 144 FPS, iPhone 11. Vous avez tous des iPhones, les gars, c'est chaud. Cette aventure peut m'apporter... Merci infiniment, Victor. Eh, vous êtes des monstres, les amis, vraiment. Ça me touche énormément. Merci d'avoir offert la possibilité à Flynn, The Peck, Leroux, Papy Gun et Peaky Brain Dead, leur droit de scolarité. Envoyez des GG, des cœurs, s'il vous plaît. Anticiper la première fois un siège avec les pracs, etc. Ok, bon, mon poulet, ça m'a l'air pas mal, Moon. Mais 1, t'es diamant, ok. 2, tu n'as pas d'expérience compétitive. Donc ça me paraît un peu light. Néanmoins, la candidature est propre. Ok. Diamant émeralde, quoi. Diamant plutôt... Diamant 4. Non, c'est un peu light, mon poulet. Vraiment, faut... Les gars, je dis ça pour vous, hein. Vous pouvez vous dire, putain, quel fils de pute et tout. Je vous assure, franchement, vous tombez contre des mecs comme Marteau et tout. Vraiment, je suis premier degré, là, les gars. Je suis premier degré. Vous tombez contre des mecs comme Ramarteau, là, tous les gens qui saignent des fesses, là, sur Rainbow Six depuis 12 000 ans. Vous allez vous faire enculer. Vous n'allez pas passer un bon moment. Personne ne va passer un bon moment. Et au final, on perd du temps, vous perdez du temps, etc. Revenez en étant champion en inférieur à 1000, quoi. Ok ? Non, mais sérieusement, là, on commence à discuter, quoi. Vous avez la possibilité, tranquillement, de balancer juste un matchmaking, de trouver des teammates et d'aller choper un champion 1000. Premier degré, quoi. Après, on commence à parler, quoi. Et encore, hein, c'est la loi de Pareto, hein, c'est la loi des 80-20, hein. Vous les voyez pas, hein, les 20 derniers trucs, en vous disant « Oui, mais je suis 1000 ». Mais c'est là que vous allez passer 80% de votre temps. En termes de difficulté, c'est là qu'il y a la vraie difficulté, quoi. C'est dans ce top-là, quoi. Pardon, je me fais niquer par le moustique. Moon. Donc, vraiment, je sais que vous pouvez vous dire « Ouais, mais il n'y a pas une différence entre champions, etc. » Mais vous vous rendez pas compte. Vous vous rendez pas compte, il y a vraiment de grandes différences. Ok, M-Tray. Mathieu, 18 ans, champion, 51, tac, pam. Grim Sky, mécanique et mouvement et un peu stratégique. Tunnel vision en rapport au mate. Manque de confiance en mes actions. Merci GL Bango pour le fait d'être un nouvel étudiant. Bienvenue poulet, vraiment. Logitech G Pro, 240, constant. Putain, fuck. Ok. Louvar Game d'avril, top 8 amateur avec un mix. Ok. Une expérience de nouvelles rencontres. Oh putain, au sein de la commune FR Rainbow Six. Oh les gars, franchement, on va faire une sortie de classe. Ok, promis. Le prochain Sauti Festival, l'année prochaine, je l'ouvre à tout le monde. Ok, j'appellerai ça les rencontres francophones Rainbow Six. Ok, on fera ça, je sais pas, dans le centre de la France. On fera tous de la Via Ferrata et on va boire de l'alcool. Hein? Ouais, mais bon. Moi, c'est pas le but. Possibilité de me faire remarquer sur la scène T4, T3. Bon, ça, c'est déjà mieux, déjà. C'est déjà plus logique. Mais T4, T3... Ok. Bon, t'as 18 ans, t'es jeune. Sorry, mais... Ok, ça clique un peu, là. Sur Internet, ça va, ça veut pas dire grand-chose, mais... 18 ans, machin... M-Tray, ça fait longtemps que t'es là, toi, dans... C'est un nom qui me parle, quand même.
Je passe quoi, les amis? On en fait quoi, M-Tray? Il est abonné au campus depuis longtemps? Non. Pourquoi je connais ce pseudo alors? Passe mon formulaire, je serai pas dispo. Eh ben, faut l'enlever, les amis. Yo, Kara, comment ça va, mademoiselle? Merci pour les 11 mois de frais de scolarité. Quand est-ce que tu reprends les streams, toi? Ça va bien et toi? Nickel. Finish poll. Ok, M-Tray, vous avez dit oui du coup? Ah ouais, plus carrément. D'accord, bon, bah écoute, vas-y. Vous êtes des chauds. Hein. Nartic, Loïs. Hey, 19 ans, je ne le suis plus. J'en reprendrai un pour l'occasion. Bah non, bah, on veut pas te gêner surtout. J'ai à peu près 6000 heures sur PC. Shampoo 480. Ok, ça clique. Ok. Je joue à Rainbow Six depuis 5-6 ans et depuis je dirais l'utilisation de mon cerveau. Bah, c'est bien. La capacité d'adaptation à différents setups. Le même, je m'estime être un joueur complet. Oh, ça va. J'overpick trop. J'ai trop la dalle des kills, je dirais. Oh, les défauts qui n'en sont pas vraiment. T'es. Franchement, mon défaut, hein, je suis perfectionniste. Hein. Je ne m'arrête jamais. Hein. Franchement, qu'est-ce que je suis beau gosse en plus. Bon, ça ira. J'ai envie de prouver à moi et aux autres que je peux atteindre la scène pro, ok? C'est un très bon moyen de se faire connaître, ok? J'attends de l'équipe de perf à cette Louvard, ok? Je veux rentabiliser ce déplacement. Tu vas le payer du coup? Ok! En jouant sur scène, ok? Y a pas de scène à la Louvard! Ah merde. Merci Toom d'avoir offert à M-Tray ces 17 mois! Pourquoi t'étais pas sub? Tu vois, je savais que t'étais sub depuis longtemps. Moi, je me souviens de tout le monde. Je me disais, ce pseudo, je l'ai déjà vu plusieurs fois, quoi. Merci pour le train de la hype, les amis, qui approche. Vous êtes des monstres. Il arrive dans quelques secondes. Merci, Victor, d'avoir offert la possibilité à 5 personnes pendant que je parle et que je suis dans le mal. Pour Montana, pour Owo, pour Ilyes, pour Opis et pour Caillou. Envoyez plein de GG, plein de cœur pour Victor, le monstre. J'ai commencé à jouer niveau T3 il y a un an. J'ai joué 2 LAN, dont une top 1 amateur. J'ai eu l'occasion de faire équipe avec des joueurs de NATS. Ce qui m'a... de NAT, ok. Ce qui m'a donné de l'expérience. J'ai pu faire un top 15 au... Top 15, les gars. Quand, hey, les gars, en dessous de top 3, n'en parlez pas. Merci Geekmove d'avoir offert à Samzwan ses 4 points de frais de scolarité et de déclencher le RER de la hype. Merci. Incroyable. J'ai pu faire un top 15. Top 15. Je scrim minimum classe E depuis quelques mois. Classe E. Je reste déçu de mes perfs. J'attends beaucoup mieux de mon futur. Bah, tu sais quoi? Nous aussi, on est déçus de tes perfs. Non, je déconne. Alors, Nartic, en avant. Eh, qu'est-ce qui vous arrive, là? D'être généreux, là, comme ça. En règle générale, vous n'êtes pas généreux. Merci, Geekmove, d'avoir offert la possibilité à 10 personnes de payer leur droit de scolarité, alors que je suis en train de décéder de la voix. Merci pour Yuri, Scooz, Loki, Terminatrix, lol, Rockthribs, Dreamy, Pop, MTL, Yukam, Kahan, Basic HD et Géant Baguette se font tous payer leur droit de scolarité grâce à la putain de générosité de Geekmove. Merci Geekmove, t'es un monstre. Envoyez plein de GG, plein de cœur pour Geekmove. Il a offert énormément aujourd'hui, malgré le fait qu'on ne le prenne pas. Et merci Geekmove d'avoir offert à Nez ses droits de scolarité. Le monstre! Envoyez plein de GG, plein de cœur pour Geekmove, s'il vous plaît. Merci mon poulet, vraiment, ça me touche énormément. Vraiment, vraiment, vraiment. Bon, Nartic, let's go. Nartic, il donne quoi? Patatof. Bam, bam, bam. 24 000 kills, le mec. Merci, Victor. Eh, les gars, vous arrive quoi, là? Lexorus, join the channel. Ah, pardon. Bonjour, monsieur. J'ai un breaking news pour vous. C'est quoi ce truc quand tu joins le channel? C'est comme ça, hein. C'est tout, c'est Discord qui me suce. Hein. Vas-y, quitte et reviens. Ah oui, pas de problème. Lexorus, join the channel. Mais c'est le truc le plus beauf que j'ai jamais entendu de ma vie, hein. Lexorus, join the channel. Excuse-nous, Dark Vador. Voilà, donc Breaking News, je t'ai envoyé un lien dans les MP, faut que tu le regardes. Absolument.
Hein? Mais c'est quoi le breaking news? Soit ils se sont trompés, soit c'est vrai. Attends, c'est vrai? Bah je sais pas. Ils reviennent. C'est ouf, hein? J'y crois pas une seule seconde. Ça m'étonnerait quand même. Ils reviennent, je crois que... J'y crois pas une seule seconde. Je pense qu'ils se sont gourés. Hein. Parce que c'est tous les autres de normaux, tu vois. En revanche... Mais non, c'était en 2022, fils de pute, ça. Une breaking news de 2022, tu m'envoies? Mais t'as un sac à merde, en fait. Ah, merde, j'avais pas vu la date. Oh, j'y ai cru. Mais t'es un gros fils de pute, sérieux? Alors, on m'a envoyé un lien, et j'ai pas regardé la date, et voilà. Ok, et du coup, juste un truc, le truc du coup, quand tu joins, ça fait « Lexirus has joined the channel », c'est ça? En gros, tu peux, c'est une soundboard que tu peux mettre quand tu rejoins. Ok, et quand t'es banni du Discord? Ah bah non, ça fait juste un bip en fait. Nique ta mère, on en était où? Ah c'est bon, je les banne. Ah c'est bon, attends, l'autre. Breaking news. Breaking news. 2022. Hey, breaking news, les gars. François Mitterrand est décédé. What? Oh non. Merci Geekmove d'avoir offert la possibilité à plein de personnes de payer leur droit de scolarité au sein du campus de la Solty Academy pour Citaz, Amatseru, pour George Strong, Lamoulaga, Marc, Fufu, Crosselt, Jeremyski, Getsum, Raymar. Putain, mais ça va finir sur YouTube. Mon charme revient. Et Lexi repart. Merci Geekmove d'avoir offert la possibilité à 10 personnes de plus. Vous êtes des monstres, les mecs, vraiment. Merci Geekmove, merci Victor, vraiment. Pour Fumiste, Tutu, Vingpolo, Notdrax, Atolol, Swarzer, Maddox, Big Cat, Chroma et qui fait quoi? Merci les amis, vraiment. What the fuck? Eh, vous voulez pas arrêter de vous faire un battle là? Allez en offrir, il y en a d'autres des personnes de la communauté qui sont là. Vous êtes des monstres les mecs, vraiment, 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 je suis en train de mourir. Merci d'avoir offert la possibilité à Alessandre, Nathan, Bulls, Estrella, Yanou, Momo Aim, Toto, Lezer, Salax. Est-ce que je peux travailler ou pas? Est-ce qu'on peut... Mais wesh! Franchement, qui est la plus grosse là? Je regarde, qui est la plus grosse? Qui est-ce qui gagne pour le moment? C'est Geekmove avec 112. Victor avec 35. Ah Victor, t'as un peu une petite bite quand même. Ah je dis ça, je dis rien, je veux pas envie de te provoquer, tu vois, j'ai pas envie de tomber dans une espèce de psychologie inversée, tu vois. Mais vraiment je pense que Geekmove te la met bien 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 profonde quand même. Merci Geekmove d'avoir offert la possibilité à Brioche 2900, C'est de la bombe, Alex, Spike le Barbu, Parzilaz, Costa Rifila, Le Bididu, Rento, Alix, Kassar, King Freestyle, Vachero, Luffy, Kilua, La Mèche, TF le Vrai, Krams, Premium, Jabba Wookie. Mec, Jabba Wookie. J'étais en train d'écouter du Jabber Wookie tout à l'heure, quoi. J'adore, j'adore. Bref, on s'en fout. Kura, voilà. Merci Geekmove, t'es un monstre. Merci Chasco pour le fait d'être un nouvel étudiant. Qui connaît Jabber Wookie? Personne. Bah allez vous faire enculer, de toute façon, vous avez des goûts musicaux de merde. Alors, Loïs, merci Geekmove, vraiment. Merci Chasco, nouvel étudiant aussi. Est-ce que je peux y aller? J'ai sûrement oublié des gens, je suis désolé. Je suis désolé, mais le fait de savoir que mon charme... Ah revient, vous comprenez? Ah, ça m'a fait un petit truc. Ok. Du coup, c'est bon. Hop, sans stop de Victor, on approche. Vous êtes des monstres, les amis. Vraiment, vraiment, ça me touche énormément. Donc du coup, qu'est-ce que... Loïc, on en est où? On avait dit quoi pour lui? C'est déjà voté ou pas? Nartic. Non? Si? On a voté pour Nartic ou pas? Non.
Ok. Jabberwocky photo matin, c'est un classique. Mais grave, bien sûr. Je suis vraiment désolé. Photomaton. OMG. 1, 1, 1. Du coup, on prend ou pas? Eh, hey, bientôt le record de 2023 à 3000 subs. Tu sais lire, Six? Quoi? Comment ça je sais lire? Comment ça je sais lire, fils de pute? D'où tu parles, là? Loïc, frère. Loïs! J'ai dit Loïs! J'ai dit Loïs, mec! Et alors, c'est quoi le problème? Je préfère Loïc, hein. Bah ouais, bah j'ai... Tu vois... Loïs, là, bah, je me dis, bah, il est où Clark? Tu vois, tout de suite. Alors que Loïc, je me dis, ah, c'est breton, j'aime bien. Ouais, voilà. Attention, il t'écoute. Ah, bah oui, oui. Ok. Du coup, c'est bon? 3, 2, 1. Bon, bah, on le prend, du coup. Ok, super. Ouais, en avant. Ok. Nawerk. Kerwan. Ah oui, du coup, c'est ton pseudo à l'envers. C'est ton nom à l'envers. C'est pas... Ça, c'est breton, pour le coup. Ok, Ker, ça veut dire chez. Chez One, quoi. Ok, 10 000 heures de jeu. Waouh, les gars. Incroyable. 10 000 heures de jeu. On va cliquer là-dessus. Diamant 4. Ah. Champion, 3000 à 2000. Ah, je vois pas le... Je vois bien le pseudo, mais je vois pas la couleur du champion. Bizarrement, c'est ma première sur PC. Ta première quoi? Game? Attendez les gars, juste un truc. Je sais qu'on a fait... Geekmouf, t'es un monstre. Je sais qu'on a fait une console war la semaine dernière, etc. Ok. Mais il est vraiment important, les amis, que vous compreniez quelque chose, d'accord? D'accord. Il faut que vous compreniez quelque chose qu'on n'a pas fait depuis longtemps. Il est important que vous compreniez ça. Ok, juste, donc, ranking, parce que le ranking, il y a plein de gens qui se demandent comment ça marche le ranking sur Rainbow Six, etc. Et je pense que c'est important de revenir sur certains points. Le ranking de Rainbow Six, ok? Du coup, c'est celui-là. C'est ça, le ranking de Rainbow Six. Open with Paint. On est d'accord? Ça, c'est le ranking de Rainbow Six. Néanmoins, juste un truc. Il est important de le... En fait, si on fait ça... Merde, vas-y, nique ta race. Il est important de se rappeler... Que du coup, au final, ça marche comme ça. Il va falloir que je le mette sur les réseaux sociaux. Ici, vous avez donc une courbe, au final, qui commence comme ceci, d'accord? Qui va jusque là, ok? Et qui commence après ici. Ok, vous voyez ou pas? Est-ce que tout le monde voit? Il n'y a pas un seul système de ranking sur Rainbow Six. Il y a deux systèmes qui se suivent. Très précisément, ici, on a la console à gauche. Voilà, c'est important. Et ici, le PC. Est-ce que vous comprenez? Et en fait, ça se suit. Du coup, comme vous pouvez le voir, un champion console pue la merde par rapport à un copper PC. Voilà. Ah là, non mais il fallait pas de grandes explications. Du coup les gars, ce que je veux dire, c'est que si vous étiez champion sur console, j'en ai rien à branler. Moi ce que je veux, c'est des champions avec du RGB chez eux, tu vois. Vous voyez ou pas? Je comprends mieux. On est d'accord ou pas? Ça part sur Twitter. Non mais c'était important de faire... C'est ma première saison PC, je te promets que j'ai le niveau. Ok, j'aime bien les mecs qui me disent, qui tiennent mordicus qu'ils ont le niveau. Ok, tu penses que t'as le niveau? Eh ben, vas-y. Tu sais quoi? J'aime bien les mecs qui ont des grandes gueules, moi.
Moi, j'aime bien. J'aime bien les Cowan... Les Cowan McGregor. J'aime bien les McGregor du game. Merci, Geekmove, d'avoir offert la possibilité à 10 personnes de plus. T'es un monstre, mec. Arrête, s'il te plaît, vraiment. Merci pour Narvox, Luap, Enzo, Joya Boki, Charkle, Winnie, Trans, Euphoria, Soso et Griffou et Floss87. Ok. Qui sont tous payés leurs droits grâce à la putain de générosité de Geekmove, le monstre. Envoyé plein de GG, plein de cœur. Il a offert 122 subs aujourd'hui. C'est monstrueux. Vraiment. Et calme-toi. Garde un peu d'argent pour toi, poulet. Vraiment, t'es jeune. Toi, t'as pas 45 ans et t'es suisse, tu vois. Si tu m'avais dit j'ai 45 ans, je suis suisse, je te dirais ok, vas-y, lâche les billets, tu vois. Mais t'es jeune, garde un peu d'argent pour toi quand même, vraiment. Non, vraiment, premier degré. Ok, du coup, ça c'est bon. Neiko ! Non, je suis pauvre. Ah bah déjà, ça commence mal. C'est quoi ce pseudo là ? Pourquoi il y a trois ? C'est Ilan ? Neiko ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Temps de jeu, beaucoup. Mais tu te fous de la gueule de qui, là ? Neiko ! Comment ça, beaucoup ? Longtemps. Non, mais sérieux ! Temps de jeu, beaucoup ? Depuis quand tu joues à Rainbow Six ? Longtemps. Quelle est ta plus grande qualité ? Moi ? Quel est ton plus grand défaut ? Tilt. Un mot à chaque fois, en fait. Qu'attends-tu de cette aventure ? Une LAN gagnée ? 4-1, Extim... Ah, le mec est... 11 mots dans le truc, hein. 11 mots dans tout. Aucun effort. Bon, on en fait quoi de lui, là ? Pulse en top opérateur. Pulse en top opérateur, les gars ! 61 000 kills ! Moi, je dis oui. Trop sûr de lui. Trop. Zago, il a mis trop sûr de lui. 3. Vas-y, go. C'est parti en haut. Je suis vraiment désolé. J'ai toujours le fucking Covid de merde. J'en ai ras le cul. Allez, merci Geekmove. Vraiment, poulet. Vraiment, t'es un monstre. 1-1-1. Ok, pourquoi est-ce que je fais un vote ? De toute façon, vous avez vu un champion. Vous avez... Franchement, ça a l'air bien. Neiko, t'es disponible, j'espère que t'es là pour claquer des culs. Hein. Il est parti déjà, il est trop rapide. Matisse, 18. Nazar, ok, 5847. Ah, très précis. Ok, depuis quand tu joues à Rainbow Six ? 8 ans, depuis. 8 ans ? 8 ans ? Moins 18, moins 8. Ça fait 10, c'est bien ce que je pensais. Ouais. Eh, comme quoi. Merci Veps pour les 16 mois, t'es un monstre. Ah, 10 ans. Putain, la vache. Ok, pourquoi pas. Ok. iPhone 14 Pro, encore un client. Ce que j'attends est de voir mes limites. Bah... Eh ben, il y a une limite orthographique déjà. Là. Limite. Et aussi d'apprendre encore plus. J'ai envie d'aller au plus haut possible. Ok. 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 Max LAN et ELC. Ok. 18 ans, Matisse. Vous en pensez quoi ? Champion 3000. Ok, il ment pas. Ouais. Tac, tac. Oh putain, Dread Factor, qu'est-ce qui s'est passé ? 1-0-2, lésion. Non, non. Putain, c'est marrant d'avoir 3 défenseurs en top opérateur. C'est très rare. Il y a beaucoup de Matisse. Il y a trop de Matisse. J'ai juste une question. On est obligé de tous passer demain pour les tests 6-4 ? Ah bah tous ceux qui sont là demain, tous ceux qui sont... Les gars, les playdays, tout le monde passe demain. Oui, oui, oui. Là, les playdays, ça commence demain et il faut être disponible demain, après-demain, enfin tout le temps en fait, jusqu'à dimanche quoi. Ah les gars, si vous me dites « Ah, on n'est pas déjà disponible demain », enlevez le dossier, hein, ça sert à rien. On veut des gens qui... Après, désolé si vous n'êtes pas dispo, j'en suis vraiment navré. Hein. Bon, déjà, je vais pas prendre de week-end pour avoir samedi et dimanche. Donc, on streamera samedi et dimanche les finales, au final. Mais bon, je pouvais pas faire grand-chose de plus, quoi. On est obligé de faire 5 play days, quoi. C'est aussi une possibilité pour nous de voir la motivation des gens.
Si jamais un gars est pas là, demain je suis dispo. Ok, Geek Move. Ok. Comment on suit le dossier? Ça marche pas, moi. Bah les gars, vous aviez un truc avec un temps à répondre. Êtes-vous disponible? Ok. Rocat, oula, c'est mauvais ça. Bon, Maxlan, Nazar, du coup. Nazar, on en fait quoi les amis de Nazar? C'est pas déconnant en soi, hein, pour 18 piges, c'est pas dégueulasse, hein, c'est frais, franchement c'est pas déconnant. Bon, compte acheté en revanche, non? Quoique, s'il a vraiment commencé en étant très jeune... Un pour Nazar? Pourquoi Matisse? Vas-y, je te fais confiance, Matisse. 49-3, les amis. Si Tisma le dit, les amis, je lui fais confiance. Noéra! Attention, là, ça clique. Pas du tout. Diamant. Comment ça, diamant? Non, juste follow. Hugo, 20 ans. C'est quoi ce truc, là? Je décale, bon live tout le monde, bonne chance. À plus tard, ennemi. Bisous, poulet. C'est que j'ai oublié de préciser, je suis PC depuis 2 saisons. 2 saisons. Et là, c'est... Voilà, quoi. Bonsoir, vieux con. Mais baisse ta mère, toi. Janvier 2016, tu me dis que tu joues. Mon calme et mon game sense, la patience, J-Lab, iPhone 15. Ah, vous êtes des fucking clients, putain. Vouloir connaître le milieu de l'e-sport plus en détail. Oh, les gars, on va pas faire un documentaire sur Netflix. Hein. De savoir si j'ai le cran pour une telle aventure et savoir si je peux m'en sortir. Mais je sais que c'est difficile, la Belgique. Et ça va, hein, tu sais, ils ont l'eau courante, hein. Une telle aventure et savoir si je peux m'en sortir. Mec, on va pas en Amazonie pendant 3 semaines. Hein. C'est 6-4 là, hein. C'est pas Mike Horn. Merci Mirux de t'être abonné, bienvenue. Pas de LAN, au moins une bonne qualité de caméra. Non, c'est de la merde, elle chauffe trop. L'iPhone 15 se cut quand on le met sur notre application. Ouais, je dis ça. Pas de LAN, mais une expérience compétitive sur FIFA. Ah, bah dans ce cas-là, c'est bon. Dans le club... Pro, durant 4 FIFA, sous les couleurs de la Nox. Ah, je connais bien la Nox. Et ce Rainbow Six Go 4 et G4G. Je sais pas, les amis. Ça me paraît un peu light. À vous de voter. Ah bah c'est ton appli qui est merdique. Non, non. Non, vraiment, notre appli, elle marche très bien. Bon, malheureusement, ce sera non pour Noéra. La prochaine, poulet. Il y en aura une sûrement en mars, hein, je vous le dis. Hein. Revenez en étant... vous avez ce qu'il faut maintenant. Merci Ryan pour les 4 mois de frais de scolarité. Note Iben. Si Freddy. Tu es là, si Freddy, dans le chat. J'aimerais avoir le... L'histoire, hein. Derrière le choix de ce prénom. Hein. Naughty Ben. Est-ce que c'est par rapport à de la cinématographie? Il est dans le chat en plus. Un film avec Alain Belmondo. Avec Alain Belmondo? Ah oui. T'es sûr que c'est pas Alain Delon et Jean-Paul Belmondo? Alain Belmondo. Ok. Emerald. Ouais, non, ça va être trop... 5 ans. Oui, connaissance des maps. Mon aim, ma gestion du stress. Style series. Ok. Je cherche un challenge et faire de nouvelles rencontres. Non, allez vous faire enculer, les gars. Tu t'appelles Si Freddy et tu veux faire des nouvelles rencontres, sérieusement. Comment veux-tu que je t'invite derrière en bootcamp, quoi?
Franchement, tu t'appelles Sifredi et tu veux faire des nouvelles rencontres. Je sens que mon anus va prendre un star, tu vois. Désolé, Naughty Ben. Je sens. Je peux pas. On va se croiser en LAN et t'es dur. Ah bah, tu vois. Quelle fermeture d'esprit, ça dégoûte. Un bitcamp. C'est un bootcamp. Oh. Oh, j'en peux plus. Putain, qu'est-ce que vous êtes con. Non, bon, attends. Non, mais c'est que t'es Emerald, poulet. Moi, je m'en fiche. Après, tu peux t'appeler comme tu veux et tout, voilà. The Ultimate Rainbow Six Tracker. Ah, au niveau de l'aim de l'URL. Ah, bah, on est passé à côté. Mauvais, mauvais crosshair placement, visiblement, sûrement, au niveau du... Ah bah non, toujours pas. C'est trop light, ça. Trop light, mon poulet. Reviens en mars. Je sens que c'est trop light. Reda, t'as déjà fait l'Unctis Royal, toi. Étudiant, j'étais... Ouais, excuse-nous. Plus ou moins 14 000, ok. Champion 1999, ok. Dustline, ok, oui, ma polyvalence. Merci Xalka. Eh, qu'est-ce qui vous arrive ce soir là d'être si généreux? C'est rare. Merci pour Virtuos, Clems, Akeim, Iwer et Sweaty, qui sont tous payés leur droit de scolarité grâce à la putain de générosité de Xalka. Le monstre. La monstre. Xalka, ça fait... Je sais pas, je vais pas dire, on est en 2023. Merci à toi, Xalka. Un buttcamp. Un buttcamp. Oh. Oh fuck. Allez les gars, on part au buttcamp. Non, le bootcamp. Ah, désolé. Ah bah du coup, je vais reposer ça. Je suis un mec, t'inquiète. Ok, Xalka, ça marche. Merci pour les 5 mois de frais de scolarité. Et merci de t'être abonné en plus, juste avant que j'avais même pas vu parce que je suis vraiment trop un débile. Et merci Ryan Rush pour les 4 mois, vous êtes des monstres les amis, vraiment. Ma polyvalence, tunnel vision. Ok, Wooting 60, nanana. De pouvoir montrer que j'ai un bon niveau compétitif, être le meilleur durant le Yungtis Royal. Bon, c'est déjà pas mal. Oui, LAN, qualifier, bah. Bon, ça c'est propre. Reda, bam. Ok. 4002. Qu'est-ce qui t'arrive là? Pourquoi t'es pas allé chercher la couleur du diamant? Qu'est-ce que t'as fait là? Reda, il est là Reda. Je viens de passer PC, j'ai du taf pour avoir un niveau. Surtout après 2 ans sans jouer. Eh ben, pour l'exclamation YT poulet, il y a quelques vidéos qui peuvent t'aider. En fait, les vidéos de la SA, les dernières vidéos de la SA t'aident surtout à te dire ouais, je suis pas seul à puer la merde. Je pense. Plutôt que de t'aider au sens propre du terme. Si tu remontes la discussion, tu me dis avoir 300 FPS et un écran... Oh là, je sais pas de quoi vous parlez. Ok. Bon, Reda, t'avais déjà participé. C'est pas mal. Je me souviens que c'était pas si mal que ça. En fait, j'ai pas de... Déjà, si le staff t'a pas blacklist, c'est déjà pas mal. On en fait quoi, les amis? Vote en haut de l'écran. Je suis au courant, je suis sur les vidéos depuis un moment. Ça marche. Six, même pour attraper un moustique, il a un aim d'enfoiré. J'arrête pas de les... Là, c'est le troisième que je pécho, quoi. Je suis vraiment un fucking tueur de moustiques. J'arrive, je joue à la candidature, on a belge. On se respecte ou quoi aussi? Ouais, mais ça me coûte moins cher en train, tu vois. Regarde, comme les gens font plein de subs, mais ils mettent pas dans la cagnotte, on est dans la merde. Tu vois ce que je veux dire, Yonim ou quoi? Depuis plus de 2 ans, j'ai toujours le même constat, je sens le poisson. Ah ouais, merde. Pourquoi est-ce que j'ai ça qui apparaît à côté? Ok. Bon, allez. Reda, du coup, en avant. C'est parti. RQ. J'augmente le son. Cactus, t'es sur le live?
Et toi? Ouais, ça va. Viens sur Discord. Genre vraiment, viens sur Discord. Point d'exclamation Discord. Ah non, moi je veux pas de drama. Merci Lugis d'avoir offert un cactus et droit de scolarité. Cette personne a offert 2400 abonnements sur cette chaîne. C'était son 2400e abonnement à Lugis, le monstre. C'est un monstre, player. 2400, ça fait un sacré paquet de subs. Cactus, comment ça va mon poulet? Oui, bonsoir. Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Qu'est-ce que je fais de RQ? Ah, qu'est-ce que lui en pense déjà? Non mais moi je veux pas avoir de drama de la communauté sur le dos en fait. Donc... Ah mais je pense pas que t'auras un drama si tu prends RQ hein. Ah bah non. Le passé... Bah t'en as déjà eu un. Moi je pense pas que t'en auras deux pour le coup. Oui mais il a pas refait de la merde. T'as bien refait de la merde ces derniers temps RQ quand même. N'est-ce pas RQ? Ouais mais ça je pense que c'est la merde que les gens acceptent un peu trop malheureusement. Notamment à mon goût pour le coup. Mais je pense pas que c'est la merde qui crée les dramas hein. Après c'est... Quoi? Le problème est réglé. Ok, donc toi, parce que t'étais intervenu sur un des tweets où je t'avais dit, bah moi j'ai essayé, écoute, voilà quoi. C'est bon, je lui ai donné une deuxième chance, je vais pas lui donner une troisième, j'en ai ras le cul quoi. Après, il fait ce qu'il veut quoi. Je lui ai dit de couper son fucking chat slash all pour pas voir ce que les autres en face le font. Parce que c'est toujours bien beau, RQ, là, je t'ai déjà dit. Ouais, mais il a dit ça en face, mais nique ta mère, moi c'est pareil, c'est impossible. Si le mec il commençait à m'insulter à 20 piges, je lui rentrais dans les 22. Mais il y a eu un moment où je me suis dit, bah faut que je coupe le chat en fait. Faut que je coupe le chat et je vais couper le chat. C'est le meilleur moyen de fumer sa carrière pour rien du tout, surtout. Bah ouais, parce que les gars vont faire un screen de ton truc en disant « Ah dis, t'es un raciste, fils de pute et tout machin. » Et on en a rien à foutre qu'ils aient dit des trucs horribles avant, en fait. Voilà, c'est toujours pareil. Bref, bah Cactus, toi, tu dis, tu mets un veto ou... si t'étais moi, tu ferais quoi? Alors, si t'étais toi, je mettrais forcément un veto vu que t'as déjà donné la chance et que ça repartit en couille derrière, tu vois. Mais je pense quand même que pour le bien de l'event, de ce que tu fais, tu pourras quand même essayer. Parce que forcément, ça représente pas tous les aspects d'un joueur, forcément. Toi, ce que tu cherches, c'est quand même un peu l'aspect perf et tout pour ton projet, donc... Enfin, je cherche aussi, quand je vais aller à l'hôtel, à pouvoir dormir, tu vois. Et pas gérer oui, 293 oui. notifications Twitter le premier soir, tu vois. Non, là, je pense que t'auras quand même pas... Pas pour ça, en tout cas. Moi, je pense vraiment qu'il n'y aura pas de soucis pour ça. Après, effectivement, là, il s'agit plus de... Est-ce que toi, t'acceptes, étant donné que t'as dit non une fois? Est-ce que t'acceptes que c'est arrivé à nouveau? C'est plutôt dans ce sens-là, en fait. Bon, je sais pas. Le truc, c'est qu'en fait, moi, je suis toujours dans une considération. Les gens se disent, ouais, 6-4, machin truc et tout. Moi, je suis pas fucking squeezy, quoi. Je suis pas tout plat, quoi, ok? Enfin, pas tout ouais, plat. Bien sûr. Pas tout plat dans le sens... Je suis pas pro comme un Squeezie, je le dis aussi comme ça, c'est pas une question d'être... Lui il est vachement pro, moi je l'ai pas été, et quand j'avais dit 20 ans, j'étais un gros fils de pute quoi. J'étais vraiment un gros fils de pute, dans le chat, les machins, les trucs, c'était chaud quoi. Alors ça allait jamais jusqu'à une incitation à ce que des trucs qu'on pourrait presque appeler de la haine quand même quoi. Mais franchement, même aujourd'hui à presque 40 piges, j'insulte encore des darons sur 4 générations quoi. Donc, il y a une partie de moi qui me dit « Ok, je fais mon Squeezie, je suis professionnel, je prends pas RQ, parce que RQ, c'est prendre un risque, ok ?» Tu vois ? Et il y a une partie de moi qui me dit « Qui suis-je pour faire ça ?» Qui suis-je, tu vois. Moi, je pense que tu vas pas te baser justement à chercher à être lisse, parce que de toute façon, c'est pas vraiment... Je pense que les gens, ils te voient pas comme ça, clairement, depuis le temps que t'es soir, si personne te voit comme ça. Et je pense pas que tu devrais chercher à être lisse, en tout cas. Toi à faire ce que t'aimes bien faire et être toi-même. Et pour RQ, honnêtement, si lui dit que c'est réglé, après, comme tu dis toi-même, hein, il t'a niqué une fois, excusez-moi le terme, ça peut peut-être arriver à nouveau. Mais... Ouais.
Ok, bon, ça marche. Bon, faut vraiment que j'avance. Merci, Cactus, d'être passé. Vraiment, bonne soirée. Bisous, poulet. Tu participes pas, toi. Bisous. Tu veux pas, toi. Bah non, je peux pas, malheureusement, je travaille maintenant. Ah ouais, elle aussi, il a un travail. Il travaille, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Ça marche. Bon, écoute, je te souhaite plein de belles choses. Ah, merci à toi aussi, bonne soirée. Merci, poulet. Ciao. Kara, t'es là, Kara, t'es toujours sur le live. Viens sur Discord. Il faut lui laisser sa chance. Vous dites ça, les amis. Vous dites qu'il faut lui laisser sa chance. Je l'ai déjà fait, etc. C'est moi qui vais prendre des grosses... On s'en fout, Kara. Vas-y, viens. Fais-moi confiance. Vous dites ça, etc. Vous allez c'est encore moi qui vais m'en prendre plein la gueule. Personne ne va dire à RQ, personne ne va aller lui dire « Ouais, t'es un con, machin, truc et tout, ce qui est pas cool. » Non, en revanche, tout le monde va venir faire chier 6-4 en disant « Ouais, 6-4, c'est pas normal de lui avoir donné sa chance. C'est un raciste, c'est un machin, c'est un truc, etc. etc. » Les gars, le but du jeu, c'est juste d'utiliser RQ pour m'en mettre plein la gueule. Lâche-moi les couilles. Oups. C'est pas moi, c'est Discord. T'as bien aimé Six ? What is going on ? What ? Vraiment, lèche-moi les couilles, c'est ce qui arrive quand tu arrives sur un chat. Oui. Du coup, c'est fait, quoi. T'as eu ton sub goal, changement de sexe, c'est fait, du coup. Ok, on le sait. Alright, Kara, y a pas eu un problème avec RQ à un moment ou pas ? Alors, si. Je sais plus quand c'était, il y a un mois ou deux. Ouais, plutôt deux mois. Moi, j'ai dit, vas-y, je ferme ma gueule et tout. Mais bon, je sais tout, du coup. C'était quoi le souci ? Oui. Le souci, ça vient de... Parce que j'avais dit un truc sur Twitter, j'avais donné mon avis. Et puis, ça a un peu modifié mes attends, mots. Attends, quoi. C'était pas à cause du mec qui s'est fait one tap Non, désolé, la blague, elle est pas... Mais le contrôle du machin de pas Danaël, comment il s'appelait Nathanaël. Bon, on s'en fout, ok. Naël. Très bien. Et t'avais dit quoi ? Attends, j'avais dit que... Moi j'avais dit qu'en gros, la daronne, pour moi, son comportement n'était pas... Enfin, un comportement adapté. Normal. Voilà. Ok. Elle avait fait quoi, la daronne, déjà ? Ouais, écoute, elle faisait un peu la fête, hein, dans la marche blanche. Ok. Et derrière, il s'est passé quoi ? Écoute, ils m'ont tous attaqué avec des tweets, hein. Des grosses rires. Non, genre, vraiment, c'est ce qui s'est passé. Vous vous rendez compte ? Moi, j'ai rien dit, hein. Mais derrière, je me suis fait... derrière, les gens me disaient 6-4, machin, Kara, elle s'en prend plein la gueule et tout, machin. Il dérape le stream. Ah non, il dérape zéro, le stream. Il dérape zéro. Jamais mon stream dérape. Ok ? Donc, il y a eu ça. Parce que moi, je suis dans une logique de transparence absolue, d'accord ? Donc, il y a eu ça. Et derrière, je me suis dit, bah super. D'un côté, on a un ancien joueur Yungtis. Ok ? Un ancien joueur Yungtis. RQ, du coup. Hein, qui a fait le Yungtis Royal, etc. Pour qui j'ai fait ça. Qui est en train de défoncer sur Twitter, du coup. Parce que c'était ce qu'on était en train de me dire. Qui est en train de défoncer sur Twitter une nana qui a donné son avis. Après, un avis, ça reste un avis, quoi. Moi, je ne tranche pas sur l'avis en question. Tu vois ce que je veux dire ? Néanmoins, voilà ce que j'ai eu derrière, quoi. Et moi, je me dis, qu'est-ce que j'en fais de ça, en fait ? Qu'est-ce que j'en fais de ça ? Du coup, vous en avez discuté ou pas ? Bah non, pas du tout. Ok. Du coup, qu'est-ce qui se passe si je prends RQ, moi ? Bah écoute, tu fais ce que tu veux, mais voilà. Moi, je sais pas. À un moment, j'aurais voulu aller discuter avec lui, mais il m'a bloqué, alors j'ai laissé tomber. Ok. Eh ben, elle a donné son avis, j'ai donné le mien. Elle a défendu quelqu'un qui a tenu des propos vraiment pas roses et j'ai pas pu laisser passer ça.
Oui, ben dans ce cas-là, quand tu veux... Ouais, d'accord, ok. Mais les gars, vous savez ce que c'est que d'être une nana sur les réseaux sociaux? Je suis pas le premier. C'est pas moi qui vais me faire le défenseur de la cause féminine. Je serais mal placé pour le faire, tu vois. Mais ça reste quand même une nana sur les réseaux sociaux, tu vois. Derrière, si vous êtes 5 ou 10 à aller la voir et à lui balancer des scuds, forcément, ça prend une amplitude qui est un peu... qui est pas vraiment la même, quoi. On n'est pas tous égaux là-dessus, tu vois. Elle est débloquée, en vrai. Eh ben, parlez-en, ok? Mais moi, je peux pas, une ancienne de... Enfin, une personne, une ambassadrice Yungtis qui se prend la tête avec un joueur Yungtis, et à un moment, c'est bon, j'ai fait, ouais, laisse tomber, quoi. Mais je veux juste que tu le saches, Rancœur. Je veux juste que tu le saches devant 500 personnes, du coup, que ça, ça remonte à mes oreilles, que quand tu balances des petits messages sur les trucs, ça remonte à mes oreilles, et qu'il se passe pas, il se passe pas un mois sans qu'on vienne copier un truc en me disant, Hercule a dit ci, ou Hercule a fait ça. Je veux juste que tu prennes conscience de la responsabilité de tes actions, c'est tout. Et c'est la raison pour laquelle, honnêtement, j'ai pas vraiment envie de te prendre cette fois-ci. Et c'est pour ça que j'avais dit, eh, on en parlera tout à l'heure. Ok ? Donc maintenant, si tu vas t'arranger, d'accord, avec les personnes, le problème, c'est que t'as déjà fait des mots d'excuses. Ok ? T'as déjà fait un truc où tu t'es excusé auprès de la communauté. Le problème, c'est que derrière, quand on s'excuse et qu'après, derrière, on refait de la merde, eh ben, c'est un peu le truc de crier au loup, en fait, quoi. À la fin, plus personne ne croit le mec qui crie au loup, quoi. C'est tout. Donc moi, c'est compliqué pour moi. Parce que j'en ai ras le cul et j'ai pas envie, après qu'on vient de me voir, en me disant « Eh, non, 6-4, vous savez pourquoi tu l'as pris ?» et tout, machin, truc bidule, quoi. Ok ? Voilà, quoi. Ok, désolé, Kara. Ben, si vous voulez parler, visiblement, il t'a débloqué. Pas de soucis. Mais j'avais besoin de savoir parler, ça. S'il veut parler, qu'il m'envoie un message, mais j'irai pas faire le premier pas. Mais comme il est très galant, il fera le premier pas. S'il le veut. On verra bien. Ça marche. Ça va sinon ? Ça va très bien et toi ? À part te faire sucer les boules du coup. Ok. Pour rire que je pars en Thaïlande dans 2 mois. Tu pars à Rhode Island ? En Thaïlande. Ah, en Thaïlande ! Ah oui, vraiment, du coup, changement total. Total. Bah oui. Hein. Tu pars pendant 2 mois ? Non, je pars dans 2 mois. Seul ? Non, avec des copains. Ah ouais, ok. Vous allez où ? On fait Bangkok, Chiang Mai, Phuket. Phuket, ça pue du on cul. On partout. On verra bien. Est-ce qu'il paraît, le saut d'alcool, c'est 2 euros. Ouais, ok. Mais, ok, bon, après, ça dépend. Ouais, c'est vrai que vous avez 20 piges. Ok, bon, Phuket, c'est bien. Phuket, vous allez vous amuser. Eh, Copipi, vous restez pas plus de 3 jours, c'est de la merde. Et si vous voulez on dort là-bas 2 jours. 2 jours, c'est bien. Très, très bien. Je vous donnerai le nom du bar. Vas-y, pas de soucis. Ok, vous allez au Stockholm Syndrome. Ok, je retire, je note. Vous ferez des beer pong au Stockholm Syndrome. Ouais. Ça a l'air pas mal. Très bien. Ok, bon, je te fais des bisous. Vas-y, bisous, à dans 2 semaines. A plus tard, ciao ciao. Pourquoi dans 2 semaines ? Bisous, la Louvard. Pourquoi, tu y vas ? Mais bien sûr. Ah, mais tu vas faire quoi là-bas ? Ben, on va jouer, hein. Dans ah la oui. RS. Ah oui. Ah ok. Vous avez pas passé les poules, quoi. Écoute, on espère quand même, on y croit. Ok, ça marche. Bon, bah merci Kara d'être passée. Vas-y, bonne soirée, bisous. Et régler ça, du coup. Enfin, ce serait cool. Bon, ok, allez, yes, bisous. Yes. Ciao, ciao. Bisous. Voilà. Donc, RQ, moi, je sais pas, mec. C'est au final, tout ce qui compte, faut pas prendre en compte les autres personnes autour. MDR, il y a 10 prostituées au mètre carré à Bangkok. Non, c'est pas vrai. Bangkok, c'est pas une ville... Il y a de la prostitution à Bangkok, mais il y en a pas plus qu'ailleurs. La concentration la plus importante en Thaïlande, où il y a vraiment... C'est la ville des prostituées, c'est Pattaya. Pattaya, c'est le restaurant. Pattaya, c'est la ville. Là, faut jamais y aller, en revanche. Là, faut jamais y aller. C'est la seule ville au monde où, dès que tu rentres dans la ville, top, t'as chopé de MST. C'est très, 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 très... C'est chaud. Ah ouais, tu manges une soupe, hop, de l'herpès. Tu vois ? Ouais, j'y suis jamais allé, n'y allez jamais. Genre, vraiment. Si vous voulez 2-3 conseils sur la Thaïlande, j'en ai. Merci Adrien pour les 100 bits. Merci Lugis pour Cactus. Non mais vraiment, moi j'ai... RQ, ok. Premier degré, moi j'ai grave envie que tu joues en fait. Autrement, je serais pas en train de déblatérer pendant des heures. J'ai grave envie. Il y a encore la même chose en moi que la dernière fois en me disant « Ah, je l'aime bien ce mec, franchement. Parce que je t'aime bien, franchement. Parce que t'es un bon gars et tout, machin. » Mais j'en ai... À chaque fois, je me dis... Mais c'est pas possible, il doit se faire embrigader par les mecs là autour de lui, là c'est pas possible quoi. C'est pas possible qu'il se transforme en Dark Sasuke là machin.
Et je vois des messages d'une horreur absolue. Je me dis, c'est pas possible. Et c'est vraiment dommage. Parce que c'est ça qui... Toi qui... Enfin voilà, t'es un putain de joueur. Et c'est ça qui peut vraiment te plomber ta carrière. Et je te l'ai déjà dit. Et je t'ai déjà répété plein de fois. Et voilà. Bref. Anyway. Il est déjà parti. Ok. Mais j'ai pas vu du coup, Nano. Il y a un gros message. Mais des moments où tu dois poser la question... Attends. À part ça, moi j'ai rien contre toi, Rancœur, mais Six, dès le moment où tu dois poser la question si oui ou non tu dois prendre quelqu'un à cause de la probabilité de drama, bah c'est chaud pour moi. La question se pose pas. Si c'était un de mes employés, honnêtement, c'était ciao. Bah, look WhatsApp. Ouais, faut que je look WhatsApp apparemment. Bah parlez-en avec lui, ok. Mais pour moi, Rancœur, du coup, c'est... Voilà ce que je vais faire, RQ. Sois clean jusqu'à la prochaine Gamer Assembly et la prochaine Louvard, et on en reviendra, ok. Il y a eu une fois où j'ai voulu montrer que j'avais la possibilité de donner une seconde chance aux personnes, d'accord. Maintenant, j'ai plus vraiment non plus envie qu'on me prenne pour un con. Il y a un moment où, au final, il y a certaines personnes ici que j'ai filtrées en leur disant « Les gars, t'as pas le niveau, reviens au mois de mars. » Bah toi, je vais te dire, t'as pas le niveau de non-toxicité au final, quoi. Reviens au mois de mars. Voilà. Ok. Et c'est mon dernier mot. Jean-Pierre. Samzwan. Et je t'aime bien, hein, vraiment, poulet. Mais il y a un moment, j'ai pas envie, que les 45 personnes de la communauté qui peuvent pas me blairer trouvent un prétexte pour m'en remettre plein la gueule et tout. J'ai passé l'âge et l'envie, quoi. Et ça a rien contre toi à proprement parler. Mais voilà, c'est pas une attaque contre ta personne. Je ne me mets que dans la position du flic qui te donne la contravention en te disant « Bon, ça arrive à tout le monde de dépasser les bornes, de dépasser les limites de vitesse. Néanmoins, je suis là et je suis obligé de vous donner cette contravention. » Bah, la contravention, c'est on en reparle au mois de mars. Quoi. Pour la prochaine, Louvard plus Gamer Assembly, là, ce sera cool. Ok, Samzwan, du coup, Oula, PS4, what the fuck, PC minimum, 10 000 heures, champion inférieur à 100, what the fuck, ça clique dur. T'es toujours là, Sam? Toxique un jour, toxique toujours. Bah non, justement, il n'y a que les cons qui changent pas d'avis. Toxique un jour, toxique toujours, ça n'existe pas, ça. Tu vois ce que je veux dire? Faut vraiment être demeuré pour dire toxique un jour, toxique toujours. Hey, Monkey, du coup, je te supprime. Juste que tu saches un truc. Quand tu dis toxique un jour, toxique toujours, t'es le seul mec dans le chat où quand il parle, il y a marqué utilisateur suspect. Du coup, je fais quoi? Je te supprime tout de suite, je te bannis tout de suite, parce que tu seras toujours suspect au final pour moi. On fait quoi du coup? Eh les gens, c'est pas... on est humain, tu vois, c'est, les choses ne sont pas aussi manichéennes, quoi. C'est pas... C'est, tout n'est pas blanc ou noir, quoi. Hein? Et Sgegos, t'es l'autre personne avec marqué machin, ok. Ouais, ok. Bon bref, je rage si on m'écoute pas. Je rage si on m'écoute pas. Direct, quoi. Ok. Ah ouais, ok. Gagner la Louvard et prendre du plaisir. Ok. BNL, subtop, nananana. Mais la question, Sams, c'est... Non, c'est la Hesse. Ok. Lucas. PC, minimum 10 000 heures. Ok, mais d'accord, mais... La question, c'est pourquoi t'es pas dans une équipe? Casque Aldi Gamer. Tu te fous de ma gueule en plus. Pourquoi vous supprimez mon message? Je pense que c'est parce que ton message c'est de la merde, Sgegos. Félicitations à Rancœur qui vient de passer viewer respectable dans le chat. Car je tasse plus l'école, plus j'ai pas le temps pour les équipes. T'es sûr que c'est pas parce que t'es toxique? Sam. Alright, oh, il a mis son Twitch, les gars, il a mis son Twitter, son YouTube, t'inquiète, c'est LinkedIn de Rainbow Six. Merci. Yuzgi, nouvel étudiant, un monstre. 6000 kills, c'est ce que j'ai fait hier. Vas-y, ça clique un peu, vas-y, let's go. Du coup, tu seras là, tu seras dispo ou pas au final? Attendez, merde, attendez. What the fuck? Ouais, c'est là. Ok, on fait quoi de Sams? C'est bientôt la fin, là. Rien à voir. T'es là demain ou pas?
J'ai mis dans le formulaire, je suis dispo samedi et dimanche. Mais il faut être là demain, après-demain et après-après-demain. Les gars, il n'y a pas de samedi et dimanche, les gars. Ça commence demain, Unity Royale. Ça a toujours été un playdate 5 jours. C'est toujours 5 jours, les gars. Pour se mettre dedans, mais à vérifier du coup pour la disponibilité. Skart. Skart, t'es là ? Malheureusement, je ne le suis plus. Skart. Skart, il est pas là. Bon, on l'a emmené à la Louvard. J'attends surtout une aventure humaine. Ah oui, ça c'est sûr. Oh, pardon. Ouais, ça c'est sûr que Skart, bien humaine. Hein. Rencontrer des personnes sympathiques avec qui je pourrais faire un top 5 à la Louvard. Un top 5 ? Mais nique ta race. Un projet plus long terme, mais par pitié, un top 1 à la Louvard au moins. What ? J'ai rien compris. Dernière équipe Youngtis, magnifique top 5 Louvard, atroce top 2 GA et bien d'autres choses. Ok, Jean. Putain, Covid qui me tape. Pardon. Arrêt maladie. Ouais, tu mets en arrêt maladie, les gars. Vous, si vous êtes vraiment des cliqueurs, là, vous allez pas bosser demain, c'est tout. Balek. Je vous fais un mot, moi. Je vous fais un mot. Du coup, Skart, qui était sur le podium de la Gamer Assembly de... Bah, la dernière, du dernier Youngtis Royale, au final. J'en peux plus. Faut que je boive. Mal de dos. Ouais, tu dis mal de dos, mec. Tu dis un lumbago. Terminé. Ça, c'est le mot. Ça passe partout, ça. Ok, Skart. C'est bon. Il y a pas mal de personnes qui vont pas forcément être là demain, qui vont pas forcément les dispo. Donc, bon, au final, si on est plus de 30, c'est pas mieux. Là. Sleazy. 17 ans. Adjacen. What ? Comment ça se prononce ? Sleazy. Salut la Famax. Salut Herocool. Comment ça va ? Bien ou quoi ? Ok, attendez. Pourquoi il n'y a plus de musique ? Ok. Sleazy, pardon, désolé. Je suis vraiment en train de mourir. Depuis la saison, what the fuck ? Casque ? Ah ouais, il nous a mis son compte Amazon, ce fils de pute. Il nous met des liens, carrément, des liens... affilié, quoi. Oh, putain, la vache. T'as cru qu'on avait cliqué dessus ou quoi ? L'autre, il va gagner de l'argent. Non, mais là, je ne serai pas dispo. J'ai pas pu sup le formulaire, désolé. Hein. Ah, bah, bravo. T'es pas dispo. D'accord, bah, super. Ok, j'ai sup. J'avance. Valentin, 22 ans. T'es Cody, je suis au quatrième mois. 3824, Emerald. Valentin, pour le moment, je dis non. Il y aura peut-être des personnes qui seront repêchées, vous inquiétez pas. Tio. What the fuck? Il est là, lui? The crack is back. Ah ouais, il y a deux anciens Youngtis, là, du coup. Il le fait? Il a pas une équipe, lui. On t'avait bien caché ça, bien sûr. Pas assez agressif. Ah, je l'aimais bien, Tio. Même si on l'a supprimé dès qu'on est rentré de la Gamer Assembly. Ah, il est cool, tu vois. Vas-y, je le prends. Bon gars, bon joueur. T'assurera de la prod, ok, tu vas pas nous faire chier avec ton niveau de merde. Théo, 19 ans, champion 3000, ben entre 2005 et 3000, Théoxys, ok.
Yana, Oryx, ma capacité d'analyse de mon environnement, oh la vache, et de mes coéquipiers font de moi un élément polyvalent capable de réagir et de s'adapter rapidement aux situations les plus délicates. Mec, ChatGPT, tu nous prends pour des cons ou quoi, sérieusement? Eh les gars, quel est ton plus grand défaut en jeu? Le plus souvent, mes erreurs viennent d'une naïveté quant à certains angles, lignes du jeu qui me surprennent plus que cela ne devrait. Ah, j'y crois pas une seule seconde, ça sent le fake. Samsung Galaxy A33, ça va. What the fuck? Waouh! Attendez, il y a du monde là. Mon objectif est d'intégrer une équipe de 5 joueurs. Ben voilà, impeccable. Eh ben ça tombe bien. Tu vois, on a le même objectif. Qui, comme moi, aime le jeu. Ah, ont envie de s'investir à 100% dans un projet encadré et plus important, ont soif de victoire, d'adrénaline et de compétition. Ok. Ayant déjà participé à 2 LAN. Ok. Je souhaite réitérer l'expérience en compagnie d'une équipe avec qui je pourrais me dire on peut finir premier. Quote unquote. De plus, se faire encadrer. Oula. Par notre cher pro-viseur représente une opportunité d'évolution individuelle et collective non négligeable pour atteindre le sommet en attente, en démontre les résultats de la Louvre et de la Gamer Assembly de cette année. Ah mais j'y suis pour rien, c'est parce que c'est les joueurs avant tout les amis. Salty Cup 5v5 2022, top 8-64. Entre 8 et 64. Top 8-64, qu'est-ce que c'est que ça? What the fuck? Devil. New Age, Name in Black. Encore les Name in Black, quoi. Les gars, hey, je suppute parfois que vous inventiez des cups où vous êtes 3, en fait. Tout ça pour pouvoir mettre des trucs, quoi. Je fais top 2. Hein. Je fais top 2 à la Arch Cup. La quoi? La Arch Cup. Top 2. Vous étiez... On était 3. On était 3. Ah, c'était dur. Direct en finale, du coup, c'est chaud. 8 sur 64 participants. Ah merde! Ok Théo. Désolé, je me fous de ta gueule. Il est là Théo, il est dans le chat. 8 sur 64. Ok, je suis juste débile en fait. Ok. Ça me paraît un peu light Théo. Ça me paraît pas mauvais. Mais ça me paraît un peu light tout ça. Qu'en pensez-vous? On va voir, je me trompe. J'ai fait top 1 à la Two Girl One Cup. Incroyable celle-là. Pourtant, on en a chié. Elle était dure. Ok. Allez, 3, 2, 1. On sait pas trop, d'accord. Bah super, vous aidez vachement, quoi. On n'est pas couché hein, ce soir. Tino, BG News. Waouh. BG News et tout. Ça existe encore, ce tag. Incroyable. Akli. Comment ça, Akli? Non, pour une vraie raison. Pour une vraie raison. Bah, j'aimerais l'entendre. Voilà. Maintenant que tu m'as mis le... Là, franchement, j'ai envie de savoir la raison, du coup. Là, tu m'as émoustillé un petit peu là-dessus. Hein. Akli, Akli, c'est quoi la vraie raison? Il est là ou pas? Tino. Tino. Il est là, Tino. C'est quoi sa vraie raison? Parce que je t'aime pas, fils de pute. Ah, ok. Ouais, c'est une vraie raison, du coup. Phobie scolaire, peut-être? C'est une possibilité. Plus de 20 000 heures de jeu! Oh, la surenchère est totale, les gars! 20 000 heures de jeu! 20 000 heures de jeu! 21 ans, 20 000 heures de jeu! L'homme n'est jamais sorti. Il est né. Rainbow Six. Il dort pas, il baisse pas, il chie pas. Tino, il est là pour niquer des mères sur Clubhouse. 833 jours d'affilée. 833 jours d'affilée. Ok? Si on partait du principe, du coup, si, attendez, du coup, s'il fait 6 heures par jour, et faisons une estimation à 6 heures par jour, combien de jours ça prendrait?
20 000 heures, ça me paraît beaucoup quand même. d'électricité. Ok. 2016. Ah bah, bon, pas 2015 en plus. Oui, bien sûr, avec deux i. Connais-tu les cartes? Ok. Quelle est ta plus grande qualité? Gunfight, aim, brain, perfectionniste. Faut jamais aimer ça. Jamais, ne refais jamais ça. Quel est ton plus grand défaut? Je ne peux pas jouer avec des armes avec trop de recul. Et les agents à un speed, c'est juste impossible pour moi. Excuse-nous, Sheiko. Je joue que Yana et Melusi, quoi. Et encore, que Yana. 20 000 divisé par 6, quoi. Ouais, Yunim, t'es là depuis tout à l'heure et t'as mis à peu près 3 minutes à le mettre dans le chat. Donc fais pas genre. 6 heures par jour. Donc à 6 heures par jour en moyenne, il aurait fait 9 ans de jeu. Du coup, depuis la sortie du jeu, si on considère qu'il y a joué tous les jours, autre problème. Écoutez-moi, je vais faire comme les profs de maths. Autre problème, d'accord? Partant du principe que Matisse aurait joué depuis 2016, janvier 2016, pas décembre 2015, il a joué janvier 2016. En partant du principe qu'il a joué 7 heures par jour, sans jamais s'arrêter. Est-ce qu'on tombe pas pile poil sur la date d'aujourd'hui? Donc du coup, ouais, ça ferait un truc. Ah, une moyenne à 7 heures par jour depuis 2016, quoi. Un truc comme ça. Je suis sur tablette à la frontière polonaise. Le chat met du temps. Ouais, excuse-nous, l'autre. Ouais. Mike Horn, encore. Ok, pourquoi pas. La ranked, je pense que j'ai fait le tour. Ah bah oui, tu m'étonnes. 20 000 heures. En plus, ça me rapporte rien. Et j'aimerais faire découvrir le niveau que j'ai dans une nouvelle aventure. Les compètes, c'est mon truc. Et j'adore être testé. Et surtout, être le meilleur dans tout. Donc franchement, je suis hype par tout ça. Et je trouve que ça motive encore plus. Ok, CSN et les compètes arabes. C'est quoi les compètes arabes? Ça existe vraiment? C'est un acronyme ou pas? Je veux savoir. What the fuck? Arbre, il voulait dire. Mais c'est quoi? Il voulait dire quoi? Non, mais ça se trouve, c'est la Saudi League. Genre vraiment. Comme. En vrai. Ok. Moi, je l'aime bien. Eh, bah, c'est possible. En finale. Non, c'est arabe-arabe. Genre vraiment. Je pensais moi aussi qu'il avait voulu dire arbre ou un truc comme ça. Ok. Donc, du coup. 1,55. Quelle est la ligue quand t'es algérien? Vas-y, arrêtez avec vos blagues toutes pourries, là, les émours du live, là. Quelle est la ligue à ta disposition quand tu es en Algérie? Vraie question. Aucun, il n'y a pas internet. Mais vous êtes des fils de pute, sérieux? Vous êtes trop des fils de pute. Vous êtes le pire chat ever. J'ai récupéré un chat. On dirait le chat de Sardoche. Gars. Mec. Merci Valicante pour les 2 mois. R6 là-bas. Ouais, stop là-haut. À ma connaissance, algérien, aucune compète de R6. Non mais j'étais vraiment en question. C'est vrai. Bah, je pense que si au final. Attends, c'est bien. Eh,
Il y a bien en plus. C'est Europe du coup. Non, en plus il y a un serveur. Il y a un serveur North Africa, je crois. Il est où le serveur North Africa ? Il n'y a pas de ligue étant en Algérie, étant algérien. Mais si t'as envie, bah EUL. Hein ? Ça fait un kill tous les 3 heures, MDR. Mais ouais, d'accord. Parce que t'as 20 000 heures de jeu. Afrique du Sud, le serveur. Il y a un serveur en Afrique du Sud, oui. En tout cas, il l'avait. C'était une grande. Il y a un serveur en Afrique du Sud, oui, mais il y a un serveur North Africa aussi, je crois. Il me semble. Hein. Mais ça, South Africa, c'est sûr. Oui. Il a joué 15 000 heures sur les cams. Il n'y a pas de serveur, on joue sur le serveur EU. Ah ouais ? 7 kills, 7k kills pour plus de 20k heures de jeu. Mais c'est pas le même compte, regarde. Il n'y a rien là. Les gars ! Moi, je veux bien, les gars, je vous prendre, hein, mais derrière, si vous tirez en triangle, et t'habites où, frérot ? Parce que sérieux, faut faire gaffe, la Belgique, il est où ? T'es là ou pas, Akli, là ? Akli ! Il est pas là, Akli. Putain, la vache. Il vient d'être supprimé. Qui a supprimé Akli là ? Ok. Bon bref. Ah il est revenu. Akli est revenu. Peut-être il voulait mettre 20 000 heures, non ? Et il a mis un 0 de trop, 2 000 heures. Oui bon on s'en fout au final. Ah oui si c'est ça, 2 000 heures. Il voulait mettre 2 000 heures. Bon on s'en fout en fait mais... En soi, sa candidature est pas déconnante. Vas-y, j'aime bien, moi. Vas-y, j'aime bien. Tu sais quoi ? On va tester, on verra bien. T'as intérêt d'être là demain et t'as intérêt de nous dire où t'es. Mec, en revanche, si t'es à Alger... Ah, si t'es en Algérie... Bon, en soi, en Alger-Bruxelles, ça doit se faire. Ça se trouve, ça coûte moins cher qu'à Nantes-Bruxelles en voiture. Je pense. En vrai, ça peut se faire. En revanche, le bootcamp dans le cul, quoi. C'est plus compliqué, là. 400 euros aller-retour. 400 euros aller-retour ! Non, the fucking non ! 400 balles ! Ah ouais, putain, la vache ! Non, attends. Vas-y, je vais regarder. On s'en fout. Bon, on regardera demain. Je regarderai sur Kayak. Oui, Tanchiro. Ok, Tanchiro, 7000 heures, champion, katabambam, bêta, fragger, bon, casser, call, casser les culs. Ok, je casse trop de culs. Ok, ok. Razor Tana, style série, 65, 400, iPhone 11, t'es un client. Ouais, casser des culs. Ok, t'as vraiment envie de casser des culs. Il y a vraiment un problème avec ton cul, frérot. Je sais pas, mais t'es sûr et certain que t'as envie de faire le Yonkis Royal ou t'as confondu avec... une lettre de motivation pour rentrer au fucking Blue Boys en tant que go-go dancer. Je demande. Ah, t'as vraiment envie de casser des culs. Après, bon, moi j'aime bien, tu vois, mais bon. Ça en devient presque obscène du fion, là. Ok, Brian. Ah, tu t'appelles Brian. Donc c'est bon, ok, ça s'explique. Allez, en avant. Ok, Brian, il casse des... Ouais, il casse des culs, mais depuis pas longtemps. Il casse des... Ah, il casse des... T'as envie de casser des Q, mais la solo Q, en revanche, elle, tu la casses pas. Il aime les hommes. Ok, ça marche, Archery. On fait quoi de Tanchiro ? Dites-moi, on arrive à la fin. Il va y avoir du repêchage, je pense.
Après, c'est du champion, quoi. Mais bon, pourquoi vous mettez... Pourquoi les gens mettent champion? Pourquoi vous mettez champion entre de 999 à 500 alors que... À quel moment t'as été entre champion 900 et 500? Faut pas avoir honte de son rank, les mecs. Moi, je m'en bats les couilles. Hein. Si une personne, elle me dit, écoute, je suis vraiment le meilleur joueur qui est sur Rainbow Six et que vous êtes champion 3000 en avant, en fait. Ah, t'es là, t'es un chéro. J'avais pas vu. Non, j'ai touché le top 250. T'as touché le top 250. T'as envie de casser des culs, t'as envie de toucher le top. Ok. Après, je joue plus. Ça peut descendre. Ah d'accord, ok. Vas-y, 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 vas-y. Vas-y. Vas-y, vas-y, je te mets là pour le moment. Repêchage. Possible. Parce que les autres, ils sont débiles. Ils savent pas quoi voter. Ils appuient sur 1, 2, 3 parce qu'ils ont envie de te sortir. Nicolas. Ah, Nicolas. Ça s'écrit pas comme ça, ok. T'es là, Nico. Je t'aime. Mais quoi? Comment ça? Qu'est-ce qu'il y a, Yunim? Ouais, les gars, les gars, vous allez tous ceux qui ont des prénoms qui se machinent pas normalement, là, qui sont pas écrits normalement, il y a une orthographe sur les prénoms, ok? Et si votre mère vous a dit, ouais, mais moi, j'ai bien envie qu'il soit original et tout, franchement, du coup, c'est Nicolas, N-I-K-O-L-A. Et toi? Moi, c'est Julie, J-U-L-L-I-I-I-I-I. Et toi? Alors c'est Enzo, mais H-A-N-Z-O. Arrêtez, vous allez leur poser, hein, vous allez leur foutre un putain de procès au cul. Vos darons, vous leur dites, maman, tu sais, tu voulais être original avec mon prénom? Bah en fait, t'es conne. Voilà, c'est ça que vous allez faire. Mathis, M-A-T-Y-S-E-S. Ah ouais, il s'est fait ban carrément, ok. C'est parce que c'est un Tchétchène. Ah merde, c'est possible en fait, il est russe. Depuis le début... Mais j'ai fait une big pause après la saison Ibana jusqu'à la saison de Alibi. Ok, je vois pas du tout. Jouer HB, Kappa, plus grande qualité. Call pas ce que je vais faire et ne pas savoir in-game leader en tant que HB. Ok, ça fait beaucoup de... Ok, Brio 4K stream, ok. Apprendre, même si je participe pas à la LAN, je pense pouvoir apprendre. Ok, ok. PCS, MCE, GA 2023, Louvard 2022, ELC Champions League. Le sel. Ok, il y a de la... Nicolas, 20 piges, nain, champion. Ah, c'est champion de... Je suis pris dans les plus, j'ai pas fait gaffe. Non, t'es au milieu. T'imagines, plus tard, des gens mettront des pseudos en tant que prénom pour leurs enfants. Du coup, on fait quoi, là? Les gars, vous vouliez pas donner un coup de boost avant de venir au Young Teeth Royal, sérieusement? Six, tu refais une nouvelle team. Est-ce que je refais une nouvelle team? Non, pas du tout. Je suis célibataire et je fais le même truc que Timo InShape. Là, je suis en train de chercher la femme de ma vie. Mais comme je suis un streamer Rainbow Six, bah, je la cherche sur R6 Tracker. Ouais. C'est dur, c'est dur. Mais peut-être que je vais trouver l'étoile. Vas-y, attends. On fait quoi? Vas-y, dites-moi là. Mon cerveau, il est en train de se déconnecter parce que j'ai pas mangé, j'ai faim et j'ai mal dormi. Fucking Covid. Je suis en live depuis 7 heures seulement, ça va. Bizarre, certains candidats ont 17 ans quand même. Ouais, mais justement, ça va relancer ma carrière. Il faut. J'ai du mal à passer le pas, tu vois. Mais vraiment, là, je me dis, allez. Il faut, tu vois, que je mette de côté, que je commence à faire du dropshipping. Il faut que je...
Il faut que j'envoie ma tub ou mon orteil à quelqu'un. Ça, c'est vraiment un achievement. Oh, ça va être incroyable. Juste une question. Comment on sait si l'un des profils triche? C'est marqué en gros. Hein. Tricheur. Ouais. Facile, en fait. Hein. Tu deviens un vrai influenceur. Eh ouais, après, je vais me mettre à Fortnite. Ok. C'est bon ou quoi? Vous avez décidé quoi? Mais vous êtes des fils de pute, sérieusement! Vous avez pas du tout pensé à Nicolas. Il a quand même tapé un champion, là. Vas-y, moi, je mets au milieu. Parce que je pense qu'il va pas y avoir assez autrement. Vibes! Mais bon, ok, je vois ce que vous voulez dire. Tom! Ok, Thomas, quoi. 18! Non, mais je pourrais... Ok, bah t'es un enculé, Vibes. Ah, ouais, non, mais sache-le du coup. Non, mais j'ai l'argent. 3100 diamants. Ah ouais, bah tu vois, moi je pourrais te mettre dans les plus, tu vois, mais je vais te mettre dans les moins, Vibes. Allez hop, ça dégage. Non, je déconne, mais diamants, voilà, tu vois ce que je veux dire. Par rapport à tout ce qu'il y a, faudrait que je fasse la blague. Je t'aime bien, Vibes. Vraiment. Merde, Washirix, Vassili, putain, on a... Eh, Nicolas, Vassili, ils sont là. Washirix, 4000 heures de jeu, diamant. Eh, les gars. Washirix, là, je dois te prendre ou quoi, là? C'est méchant de ouf. Ouais, c'est la Solty Academy. Moi, Chérix, il est là ou pas? On fait quoi? Vas-y, à vous de voter là. Je peux plus, mon cerveau ne me suit plus. Et puis après, on a deux casters. Vous votez n'importe quoi, avouez. Vous tapez des trucs en disant « Franchement, je pense. » Vous mettez deux, vous savez pas, en fait. Je vois bien, je vous vois bien. Je vois bien le chat. Bon, ok. Washiris, pour le moment, diamant annulé. Je vais mettre là. Il a mis diamant, mais bon. Il... Clément, 23 ans, Zyroncast. 2500 heures, diamant. Impliqué sur la com. Veut trop en faire. Oh. Oh là 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 là. Arrêtez ça, les mecs. Arrêtez les faux défauts. Avouez vos défauts. Vos vrais défauts, tu vois. Vos vrais trucs, tu vois. Veut trop en faire. Franchement, j'ai un trop gros sexe. Ah, vraiment, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Vous savez pas ce que c'est, vous, hein. Ah ouais, non, mais je sais. C'est un gros défaut. C'est un gros défaut. Ah, j'ai une énorme bite, quoi. Ah ouais. Ah, parfois, je touche la porcelaine et tout. Ça fait froid, la nuit. Merci, Dark Blood, nouvel étudiant. Les gars, si c'est un défaut, vous mettez votre défaut, quoi. Veux trop en faire, c'est pas un défaut. Trop charismatique, perfectionniste. Ah là là. Ah, tu vas rester. Eh, hey, Zyron, désolé, poulet, hein, mais tu vas rester dans les ventes, hein. Dans les ventes. Moi, Zeyu, bon, elle a Zeryu. Beaucoup trop, voilà quoi. Il est là, lui, il veut le faire ou quoi? Ou il s'en bat les couilles? Il passe plus ici, du coup. Zeryu, s'il est là, ça passe en un, de toute façon, voilà quoi. Faut juste qu'il boive pas de Red Bull, parce que dès qu'il boit du Red Bull, lui, on dirait vraiment... on dirait Cyril Hanouna, quoi. En référence à la cocaïne. Et comme ça. Nicolas, bien écrit. Bien sûr, il est chaud, 6-4. Zeyu, trop chaud, ce mec. Ouais, mais dès qu'il boit du truc, les gars, il stresse. Il stresse beaucoup, Zeryu. Il stresse beaucoup. Ok. Du coup, les amis, on a combien de personnes, là? Si je fais CTRL A, j'ai 20 personnes déjà ici. Bon, faut refaire un... Voilà, quoi. J'ai pas de diamant ici, visiblement. Ben, voilà. EML, j'en ai pas non plus. Je vais...
vérifie dispo. Il y a Sam qui doit vérifier. Il y a 20 champions minimum. Et il va y avoir des personnes... Enfin, 20 champions là, non? Et après, des personnes à repêcher. Et dans ces personnes à repêcher... Archery, t'es là ou quoi? Archery! Vas-y, hey, Archery, moi je veux bien te prendre, mais faut pas que tu sois ban de la Louvard, quoi, en fait. C'est aussi simple que ça, tu vois. On se dit les termes, ok? Voilà. Quoi? Je suis en train de te parler, et l'autre, il a enlevé le son, ce fils d'up, là. Est-ce que t'as une autorisation de la Louvard de participer à la Louvard? Point barre, en fait. Archery. T'as le son? Il a le son ou quoi? Ils m'ont rien dit depuis moi. Bah les couilles, tu vas demander. Archery en seul tueur, Banna fait le goudron et les plumes. Ouais, mais d'accord, mais bon. Et regarde son âge, Yonim, ok? D'accord. Ok. Bon, je vais pas te citer les trois joueurs pro pour lesquels, si on avait fait ça, du coup, ils seraient pas joueurs pro à l'heure actuelle. Donc bon. Une fois de plus, je défends pas le cheat. Mais bon, je peux comprendre qu'on était cons, quoi. Il y a 3 ans, donc 13 ans. J'ai discuté avec lui à la GA. C'est un bon gars. Erreur de jeunesse. Ouais, mais bon gars ou pas, je suis pas sûr que Philippe, il te laisse passer à la Louvard, quoi. Ok? Et moi, une fois de plus, j'ai pas envie de prendre des risques en me disant « Eh, pourquoi t'as pris un gna 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 gna
Alright. Ah, je suis débile, j'arrive pas. Mon cerveau n'arrive plus. Ici, ici. Archery. Trois fois que je le bête dedans, du coup. Et ici. De Hello, si tu veux. Ouais, je sais pas trop. Bon, vous avez compris, quoi. Oui, non, il les a pris. Non, je suis trop con. Non, fucking Z-Drive de merde, là. Déjà, je peux pas te mettre en version noire. Ah non, en fait, je les ai pas pris. Ah. La vieillesse. Fuck. Ah. Yes. Juste ça. Allez. Allez. C'est bien, G-Drive. Attends, on te paye une blinde par mois. Ça, c'est vide maintenant. Vérifier dispo. Voilà. 1, A, BM. Il y a 29 personnes. Bon, vous avez compris. Voilà les personnes, du coup. La liste va être repaufinée, etc. Les gens vont être contactés directement sur Discord, vont être ajoutés directement aussi, confirmés pour savoir s'il y a les disponibilités. Il peut y avoir encore des personnes qui vont être repêchées, à mon avis, c'est obligatoire. Il va y avoir des personnes qui vont être repêchées dans les diamants. Ouais, Chérix, il y a de grandes chances que tu passes si t'es là. Et derrière, dans les champs qui n'ont pas été pris, Ambo, Lamine et RQ. Bah, RQ, non, pour le coup. Hein, pour les raisons que je t'ai dit. Ça, en revanche, on en est presque, on en est sûr, pour le coup. En revanche, on se revoit au mois de mars. S'il te plaît, fais pas de la merde, poulet. Moi, je t'aime bien. Mais voilà, je peux pas prendre de risque. Du coup... Ça va très certainement passer parce qu'il va sûrement y avoir des personnes qui vont dire « Ah bah non, mais en fait, je suis pas disponible demain. » Et puis, c'est à peu près tout. Les gars, il nous reste encore beaucoup de travail. Il est 22h30. Si j'ai pas envie de me coucher encore à 3h du matin, parce que les Unitis Royale, c'est souvent comme ça. Et si je veux être en forme pour demain, eh bien, je vais couper le live maintenant parce qu'il faut qu'on aille voir justement les joueurs qui seront là demain. Demain, si tout se passe bien, c'est simple. Il y a 30 personnes qui sont là, 30 personnes qui jouent. Vous allez voir, ça va être une belle journée. À la fin de la journée de demain, eh bien, ils sont plus que 25 au final. En tout cas, on enlèvera 5 personnes tous les jours pendant 5 jours. Ok ? Voilà, fucking hell. Du coup, dimanche, ils sont 10. Et en fin de journée, ils sont plus que 5. Ces 5 joueurs-là, eh bien, partiront à la Louvard. Partiront si, et seulement si, eh bien, le sub goal est rempli. Le donation goal est rempli. Ok ? C'est les donations, c'est vos donations. Qui permettent à cette équipe de partir à la Louvard, ok ? Pas le sub-goal. Pas le sub-goal. Le sub-goal, ça n'a strictement rien à voir. Le donation goal, du coup, j'insiste. Merci infiniment, Le Guise, quand même. Ça, c'est pour Rome, pour le coup. Merci pour Sams, pour Xuf Poto, pour YoKids, pour Ekewaza, pour Fleez, pour Thomas Sound et pour Archery et pour Chakalet de leur avoir payé leur droit de scolarité. Envoyez plein de GG, plein de cœur pour Le Guise. Le fucking monstre, ok ? Du coup... ce sera en team. Comment ça se passe? Les personnes visiblement ne connaissent pas les Yungtis Royale. Comment ça se passe? C'est très simple. Yungtis, c'est l'équipe Royale, parce que Battle Royale. Du coup, les 30 joueurs jouent les uns contre les autres. Le but du jeu de demain, c'est pas de se focaliser sur la partie collective. C'est bien sûr l'individu. C'est l'individu qui nous intéresse. Du coup, les équipes, elles s'appelleront Tata, Yo-Yo, team Sam, Team Klega, Team... On s'en bat les couilles au final. Alpha, Bravo, ce que vous voulez. Mais le but du jeu, c'est d'aller se focaliser sur les joueurs. Et on fera un focus sur les joueurs. Quand on va avoir un premier match, très simplement, eh bien, on aura un focus sur les joueurs. On aura les caméras des joueurs. On aura, la plupart du temps, on aura bien évidemment leur com, par exemple. On va entendre ce qu'ils disent. On va voir qui parle au moment où la personne intervient, bien évidemment. Et derrière, on aura pour chaque équipe, au moment du match, on aura deux personnes qui seront avec moi, donc trois personnes qui vont écouter une équipe et deux autres personnes qui vont écouter l'autre équipe en face. D'accord ? D'une part. Et ça nous permet d'avoir une bonne idée de comment ça se passe, les joueurs entre eux, de noter des éléments qui répondent, qui au final, les personnes ne font que remplir des grilles qui sont une grille qui nous permet, nous, de nous servir dans notre notation. D'accord ? Cette grille, du coup, qui nous permet de savoir si les gens font des bons calls, des mauvais calls, la communication est bonne, la psychologie est bonne, le support, le soutien de ses teammates, etc., 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 sont d'autant de choses, du coup, qu'on va étudier demain
en vocal. Et puis après, il y a la partie plutôt statistique pure et dure du jeu. Et ça, du coup, c'est en ayant demandé aux joueurs du coup, de mettre un petit tracker sur leur PC, bah, ça nous permet de remonter les datas. Et ça nous permet du coup de savoir, eh bien, d'avoir toutes les datas nécessaires pour l'aide à la prise de décision. Donc de savoir le KOST, le KD, le machin, le truc, le bidule. Et les deux, du coup, nous permettent d'avoir une note sur les joueurs. Et c'est ça qui nous permet de déterminer quels sont les joueurs qui, au début, partent et à la fin, restent. Voilà. Donc demain, ils sont 30. Demain soir, ils sont déjà plus que 25, etc., etc. All right. Bon. Ça, c'était la présélection aujourd'hui. J'espère que vous avez passé une bonne et une agréable journée. Je passe dans le bureau du campus, les amis. Et je ne fais pas faire de vieux os. D'accord ? Je vais vous laisser là, les petits amis. On va se retrouver demain sur le campus de la Solty Academy pour le Youngtis Royal. C'est toujours la journée qui est la plus complexe pour nous à mettre en place, comme vous pouvez l'imaginer. C'est pour ça que je décolle rapidement. Une fois que c'est mis en place, ça tournera beaucoup plus facilement pour nous jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Dimanche, ils seront plus que 5. Et c'est ces 5 qui, je l'espère, partiront à la Louvard et faire aussi bien que la dernière Youngtis Royal, du coup, qui avait fait finaliste de la Gamer Assembly. Voilà, voilà. Ciao tout le monde, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne et une agréable fin de soirée. Je disparais de vos écrans. Tchuss. Et j'envoie bien évidemment le nom de celles et ceux qui ont participé à ce live à leur manière. Et Dieu sait qu'ils étaient très généreux aujourd'hui. Les donateurs, les cheerers, les hosts, les membres du Solty Fan Club, nouveaux et anciens étudiants du campus, le staff, les personnes qui ont répondu au formulaire. Il y en avait plus d'une centaine au final. Merci à toutes ces personnes du coup. Merci à l'event qui va... personne du coup. T'as fermé ta gueule, toi, il m'a saoulé lui. Merci à l'event, merci tout le monde. Vous êtes des monstres. Je vous fais à tous de gros bisous. On se retrouve demain et d'ici là, n'oubliez pas qu'on est Solty. Oui, mais pas que. À droite.